Voilà. Claude. Alors, on attend Claude Le Breton. Alors, il n'est pas loin. On va commencer. On va commencer. Donc, on va intervertir parce qu'il me semble pertinent, après ce qu'on a entendu du point de vue de la ville de Bruxelles, du point de vue de la position du gouvernement wallon, de rester un instant sur le territoire, et notamment sur le territoire qui nous accueille, puisque Hakim est très frustré de ne pas pouvoir avoir introduit ce matin et accueillir tout le monde ce matin. Donc il va le faire cet après-midi, et donc dans quelques minutes. Ensuite, on passera à ce temps qu'on a intitulé « 7 minutes pour convaincre ». Hein. Vous avez vu un peu le rythme du cycle. Hein. Le matin, on est dans l'exposition des enjeux. En entretemps, on est sur des témoignages extérieurs. Ensuite, on arrive sur les solutions qui sont apportées par le secteur privé, dont on a bien compris qu'il était totalement indissociable des démarches d'action publique numérique. Et puis ensuite, on ouvre un large échange conversationnel sur la base et l'impulsion d'un certain nombre d'interventions. C'est donc ce qu'on vivra dans le dernier débat. Et ensuite, Hakim reprendra la parole pour conclure. Si on peut juste jeter un coup d'œil pour voir si Claudie est là. Philippe, tu veux bien? Merci. Bon, quelques... Je remercie tous les intervenants au passage parce que le timing a été respecté à pile poil. Bravo, merci. Donc voilà, tant que les quelques personnes qui sont encore au temps du café gourmand nous rejoignent. Effectivement, ce que propose Félix est assez juste, si ça peut nous aider à nous remettre dans le bain, de rappeler un petit peu ce qu'on a pu comprendre, des enjeux qui ont été exprimés ce matin en quelques mots. Donc on a vu les différents niveaux territoriaux, certains niveaux territoriaux, on a vu l'État avec le témoignage de Guillaume Blot sur ce que l'État a choisi de mettre en avant pour résoudre l'accès aux services de l'État, mais qui devient avec France Connect une possibilité d'accéder à des services qui ne sont pas uniquement les services de l'État, donc avec une identité valide et vérifiée. On a vu également, avec le témoignage d'Anne Le Dirac, comment, dans une ville, un élu s'empare de ces problématiques et marque l'enjeu de la volonté politique, qui est évidemment essentiel. On a l'habitude de dire, je crois que Anne, c'est peut-être elle qui l'a dit la première d'ailleurs, mais il n'y a pas de choix technologique sans choix politique. Et donc, on est vraiment sur cette vision-là qui a été confirmée par l'élu Anne Le Dirac à Vannes. Et on a vu également avec Amiens et Rennes le témoignage de ces acteurs essentiels que sont les directeurs des systèmes d'information. Combien il était nécessaire à la fois de fournir les services via des systèmes d'identité, que ce soit quel que soit le support, carte ou autre, mais aussi ils nous en ont montré probablement les difficultés et un certain nombre de freins. Mais je voulais aussi souligner qu'on était dans ce débat sur un sujet qui a émergé, dont on reparlera tout à l'heure, qui était celui de la relation physique indispensable dans la
dans la relation servicielle qu'il peut y avoir entre un territoire et les usagers de ce territoire. Et peut-être aurait-on ouvert vers une question qui me tient à cœur par ailleurs, qui est celle de la place du citoyen et à quel point on peut devenir citoyen quand on redevient plus propriétaire ou plus proche de ces données, quand on est susceptible de les gérer et d'octroyer nous-mêmes l'accès ou non. Donc voilà, alors on va voir d'abord ce que cette volonté politique peut faire. On sait que quand on a entendu Claudie Le Breton en introduction tout à l'heure, la force des rapports, alors moi je vois les rapports sur le numérique, ça fait, je vous rappelle, malheureusement 16 ans que je suis dans cette dynamique. Je dis malheureusement parce que quand on a créé l'association Ville Internet, on se disait dans 3 ans c'est fini, tous les élus sont à jour, ils vont faire comme nous, ils vont suivre le mouvement, se renseigner, faire des choix, etc. En l'occurrence, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas si facile, pour nous non plus d'ailleurs, hein, quels que soient les acteurs. Et donc, 16 ans après, on est encore là. Mais ce qu'on voit, c'est que tout au long de ces 16 années, il y a eu pas tant de rapports que ça, d'ailleurs, sur la question des territoires et du numérique. Il y en a eu un certain nombre. Il y a eu des rapports thématiques qui étaient intéressants. J'aimerais rappeler celui de Franck Seruskla sur l'élève citoyen. À l'époque, on est en 99, je pense, et Franck Seruskla, sénateur à l'époque, malheureusement décédé, avait placé le numérique comme un outil en reprenant un certain nombre de concepts liés à ce qu'on appelle l'empowerment, donc l'autonomisation des personnes. Et en fait, dans ce rapport, il nous expliquait que l'élève est aussi un citoyen et que le numérique peut, par l'accès à la connaissance, alors à l'époque, il s'était peut-être concentré sur l'accès à la connaissance, mais peut permettre de se développer dans la société et d'atteindre ses ambitions à la fois personnelles et professionnelles. Et donc des rapports thématiques comme ça, il y en a eu un certain nombre. Et puis c'est vrai qu'on a eu de plus en plus de rapports qui se sont ciblés sur la question de la volonté politique. Et moi, je peux vous assurer qu'ils ont servi parce qu'on a, de fait, de la relation que Ville Internet a eue avec les différents gouvernements, je crois qu'on en a traversé 13, hein, juste pour information, avec les remaniements, etc. Je peux vous assurer que j'ai vu l'impact de la plupart de ces rapports sur les choix qui ont été faits dans les services de l'État et au-delà, y compris dans les collectivités, dans les territoires. Alors, impact parfois très positif, c'est-à-dire, ah, c'est pas bête, on va le faire, puis parfois, impact, ça, jamais. On ne le fera pas, mais ça permet d'exprimer, hein, c'est ce qu'on fait sur la plateforme Internet, on exprime ce qu'on fait, et ensuite, on échange, on débat, et on peut mettre en œuvre sa politique publique numérique, qui finalement est une politique publique tout court, d'action publique dans l'espace public et au plus près des personnes. Et c'est là aussi où on a un sujet qu'on n'abordera peut-être pas aujourd'hui, mais qui est la question du rapport de l'espace public à l'espace privé, lié à cette question de l'identité numérique, et qui est un vrai sujet aussi. Voilà, c'était une forme d'introduction. Je te laisse la parole. Oui. Alors, définitivement, Claudie ne souhaite pas nous rejoindre. Pourtant, il est là. Il est dans le mur. En tout cas, moi, je suis ravi d'être là, bien sûr, et je remercie Florence de sa pugnacité et son engagement et sa venue ici avec Ville Internet pour qu'on puisse échanger, réfléchir, parce que le chantier est lourd sur les sujets du numérique. On est au début, on l'a vu avec la uberisation, avec Uber et ce qu'on a appelé la uberisation de la société, où le numérique peut être un dérégulateur tout en étant en même temps un facteur de rassemblement, de mieux vivre ensemble et de développement économique. Et donc, il faut que vous tous ici, les militants du numérique, là où vous êtes, vous soyez bien connectés avec la force de Ville Internet, qui est un vrai catalyseur d'innovation numérique, pour qu'on puisse porter haut la voix de ceux qui défendent un numérique qui permet de développer le service public et inventer la ville de demain. Alors, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, puisque je devais devoir, après, conclure votre journée, et donc rapidement quand même. Alors, ce matin, j'ouvrais une réunion beaucoup moins importante qui est celle à Paris, de la Gazette des Communes, je rigole, mais qui parlait des mêmes sujets, en fait, et qui évoquait de quelle manière la transformation numérique pouvait impacter l'action publique et de quelle manière les collectivités devaient s'y préparer. Donc,
Évidemment, ce que vous avez très bien dit, c'est qu'au travers d'un certain nombre de choix qui se font politiquement, nous pouvons faire du citoyen, grâce au numérique, un vrai acteur de sa vie quotidienne. Donc Claudie Le Breton nous rejoint. Ce qui me perd, j'attendais, vous savez, j'ai un vrai talent, parce que je dois parler de Claudie Le Breton, donc tu peux venir près de nous. Donc, fait, et tu l'as évoqué, ce qu'on appelle l'appointment, ou le pouvoir d'agir des citoyens, et le numérique est effectivement un super média pour pouvoir donner, au travers des plateformes collaboratives, contributives, enfin, je n'y reviens pas, le faire devenir un acteur au centre de l'action même d'une ville, d'un territoire. La question de la singularité, de la singularisation grâce au numérique, pour faire que aujourd'hui, sur nos services publics, qui sont effectivement des services publics envisagés pour, entre guillemets, une masse, collectif, on peut rendre beaucoup plus pertinent nos services publics en fonction de la personne. Et là, effectivement, arrive le sujet de l'identité numérique. C'est un sujet que, j'imagine, vous allez encore aborder cet après-midi. J'en dis pas plus. L'identité numérique, pour moi, c'est aussi un vecteur de la monétisation de l'action publique. On l'a évoqué, parce que on est là dans la prédictibilité, on arrive avec des algorithmes à pouvoir réfléchir à ce qu'on peut faire de manière beaucoup plus pertinente pour, en termes de services publics. C'est aussi un acte de simplification, évidemment, d'agilité, et de faire en sorte que, au fond, cette identité soit quelque chose qui est complètement comprise par les citoyens. Et donc, à ce titre-là, ils deviennent les garants aussi de cette approche numérique de la vie quotidienne. Mais le numérique, c'est aussi beaucoup de dangers, et on le voit malheureusement dans l'actualité. Le numérique, c'est aussi un espace qu'il faut réguler d'une certaine manière. Et la question de l'éthique doit être au centre aussi de nos préoccupations, même titre que la sécurité informatique. La question de l'éthique est essentielle. Et c'est vrai que, ce que je dis souvent aux États-Unis, sur ces sujets de confiance, de confiance numérique, d'identité, aux États-Unis, les citoyens font appel à leur avocat. Nous, on a encore une chance, c'est que les citoyens font encore confiance à l'État comme une sorte de garant de la caution publique. Je crois que c'est très important. Enfin, très rapidement, et les débats vont évidemment nous permettre d'aller plus loin, mais tu as évoqué les rapports, donc dans un rapport que j'ai commis avec certains ici d'ailleurs, dont toi, sur la gouvernance des politiques numériques, on évoquait énormément le sujet de pacte public-privé-population. Aujourd'hui, c'est folie de croire que nous sommes les uns à côté des autres. Nous sommes tous ensemble. Les plateformes, les territoires plateformes sont interconnectés, tant les usagers que les opérateurs, qu'ils soient privés ou publics. Et donc, à ce titre-là, la gouvernance du sujet du numérique est totalement partagée. Si on pense le contraire, on a les difficultés qu'on a rencontrées avec Uber, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec Airbnb, et qui dérégulent notre système qui, a priori, est l'émergence, ou en tout cas l'expression du pacte républicain. Et donc, c'est extrêmement important d'intégrer ce sujet de pacte public-privé-population, parce que c'est notre manière de vivre en France, et c'est notre histoire. Alors évidemment, ça évoque le sujet de la confiance, je ne vais pas y revenir, la confiance est le liant, le ciment de toutes les politiques qui ont vocation à faire de la ville, ce que vous appelez la ville intelligente, ou ce que je préfère comme tel, la ville servicielle. Voilà, ça c'est important. Enfin, à Lille, quand même, parler de la métropole et de la ville, moi je suis adjoint maire de Lille, donc je parle aussi de la ville, mais la métropole. La métropole s'est engagée depuis 2011 sur un sujet qui s'appelle les territoires mobiles sans contact, les territoires leaders mobiles sans contact, des services mobiles sans contact, autour du NFC, alors peu importe la technologie, en tout cas, vous savez, vous pouvez, avec une carte ou avec un mobile, passer des informations, interagir. Et donc, on a profité d'un programme d'investissement d'avenir pour, au fond, proposer notre vision de la ville intelligente, la smart city ou la ville servicielle. C'est pour nous une vraie expérience depuis 2011, parce qu'on se confronte à plein de choses. Et donc, on se confronte d'abord à la peur de certains maires, parmi les 85 communes, qui se disent on va perdre une forme de souveraineté, détention des données, la capacité de produire tel ou tel service quand ils le veulent. Se raccrocher à un process qui deviendrait métropolitain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on se rend bien compte que dès lors, on va parler de ville intelligente au niveau de la métropole. D'une certaine manière, on va travailler sur la citoyenneté.
Et donc ça, c'est aussi un vrai changement pour les mairies, parce que évidemment la citoyenneté, c'est dans l'hyperproximité, c'est le maire en relation avec son citoyen. Et donc c'est vraiment des révolutions, des changements de paradigme qu'il faut pas minimiser, parce que c'est aussi un sujet politique pour nous, évidemment. Alors vous avez évoqué rapidement la subsidiarité, j'y reviens pas, sujet qui est cher à Jean-Paul Leroy, que je ne vois plus. Évidemment, la subsidiarité pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Là, je salue Claudie Le Breton, voilà, qui avait inspiré le rapport de gouvernance des politiques numériques avec son rapport dans le cadre de l'ADF, et qui avait déjà évoqué les territoires de projet, l'intelligence collective, de quelle manière on construisait des vraies stratégies supra-communales, des stratégies supra parfois intercommunales et métropolitaines. Je dis ça à l'ancien président de l'ADF. Et c'est juste parce qu'il va falloir se poser cette question du bon niveau. Parce qu'on peut toujours vouloir construire des politiques numériques. On sait que derrière, on a un enjeu d'infrastructure, de gestion de la donnée, préparation de la donnée. Je ne reviens pas sur le rapport où on proposait une modification du CGCT. Et voilà. Et donc, on est complètement dans le sujet. Et que dès lors où on arrivera à s'organiser tous ensemble de manière intelligente, on construira des politiques numériques qui ne coûtent pas cher à l'action publique et aux deniers publics, et en même temps qui seront extrêmement efficaces. Alors, pour terminer juste mon propos, je veux dire que faut pas s'arrêter là, quand même. Le danger d'une société très numérique, c'est d'une société algorithmique, c'est-à-dire où on soit que sur la prédictibilité, on envisage tout avant, on sait plus ou moins comment les gens fonctionnent, ils ont toujours les mêmes horaires, voilà, c'est les récurrences de nos journées, parfois moroses, tristes, mais en tout cas c'est la réalité de tout à chacun. Et ça, c'est pas possible dans une République qui a vocation à libérer les initiatives, à réinventer, à se projeter de manière pleine panache dans la vie. Il faut garder cette spontanéité que le numérique ne permet pas. Donc il faut toujours un équilibre, et ça, ce sont les élus qui doivent l'assurer, un équilibre entre ce travail pragmatique autour de la donnée, autour des systèmes d'information partagés, autour des territoires plateformes, avec ce travail où nous, on construit les conditions pour que la vie soit belle. Mais c'est difficile d'enchaîner. Hein. On part de la vie belle et je ne chercherai pas à faire une transition, Maline, elle ne le serait pas, mais je vais quand même utiliser pour inviter nos partenaires du groupe La Poste et Advance à me rejoindre. Je vais quand même utiliser ce que disait Hakim sur les partenariats public-privé-population. Effectivement, c'est une notion qui nous est chère et qui n'est pas qu'un mot. Et le plus difficile probablement pour les acteurs publics auxquels moi je me suis associée depuis au moins 15 ans dans cette activité de mise en réseau autour de Ville Internet, ça a été effectivement la relation avec les partenaires privés, parce qu'on est toujours sur des préjugés d'inquiétudes liées au monde de l'argent, comme si le secteur public n'était pas dépendant de ce monde de l'argent. Et en l'occurrence, avec le groupe La Poste, on a particulièrement apprécié le rapprochement qui est né grâce à Agnès Granger, qui est directrice de la région postale Aquitaine, qui nous a fait rencontrer Jacques Savatier, qui à l'époque, il a pris des responsabilités encore plus importantes aujourd'hui au groupe La Poste, et qui a parfaitement compris l'enjeu non seulement du numérique dans la société, mais également de la territorialisation de ce numérique indispensable. Et donc, on est très fiers finalement d'être partenaire avec La Poste. Je dis finalement parce que voilà, vous me croirez ou pas, c'est pas uniquement des questions d'échanges financiers, c'est qu'on a toujours cru que le facteur assermenté était une personne qui était susceptible de porter le service à domicile au-delà du service classique grâce à ses équipements numériques et à l'équipement numérique des citoyens. Voilà, donc sur cette question de l'identité numérique, Olaf Klargard va nous parler de ce que La Poste apporte au-delà de ce que propose l'État et en complément aussi de ce que propose l'État avec France Connect. Et puis Benjamin Leroux pour Advance, que je salue, donc on se découvre, mais... Merci.
C'est Tanguy Boulayé finalement. Alors, vous voyez, je croyais voir Benjamin, c'est Tanguy Boulayé, donc qui nous va nous parler aussi du point de vue d'Advance. Donc, on est sur une entreprise qui est régionale, notamment, même si elle a un impact national, mais qui est implantée, je crois, à Lille et à Paris et voilà et à Lyon. Donc voilà, une entreprise qui touche toute la France. Mais il était utile aussi de montrer qu'il y a des très grands groupes et puis il y a des grandes dynamiques, mais qui peuvent aussi relayer au plus près des territoires, parfois localement, ces politiques publiques de l'identité numérique du citoyen. Olaf, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Florence. Nous aussi, nous sommes ravis à La Poste d'avoir ce partenariat avec Ville Internet. Le numérique est quelque chose de très important pour nous à La Poste. Preuve en est, on a une de nos cinq directions qui est, qu'on appelle des branches à La Poste, qui est la branche numérique. Donc c'est vraiment une activité à part entière qui a été développée ces dernières années pour accélérer ce processus. Moi, je suis Olaf Klargaard, je travaille dans la direction de la confiance numérique. Alors je vais peut-être commencer par vous dire ce qu'on entend par là, même si vous vous en doutez un peu aux assises de l'identité numérique. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du métier de La Poste, d'abord parce que j'ai 7 minutes, et ensuite pour convaincre, et ensuite parce que d'abord vous êtes tous des particuliers qui savez ce que nous faisons à La Poste, vous êtes je crois pour la plupart des élus qui avaient des relations avec La Poste également, sur les bureaux de poste, sur le courrier, sur tous les métiers historiques que vous connaissez évidemment particulièrement. Simplement, juste pour préciser, notre métier, finalement, c'est pas le transport de courrier. Notre rôle à La Poste, et notre rôle historique, hein, pas notre rôle aujourd'hui, ça a toujours été de faire en sorte que quand vous envoyez une lettre commandée, eh bien, vous êtes sûr que le destinataire vers lequel vous l'avez envoyé l'a bien reçue, et qu'on puisse en avoir la preuve. Quand vous envoyez votre déclaration d'impôt au dernier moment, une minute avant minuit, c'est de pouvoir être sûr que le cachet de La Poste fait foi et que cette lettre a bien été envoyée quand il fallait l'envoyer. C'est quand on envoie un colis, ça arrive bien, on est sur le document également. Enfin, c'est donc tous ces sujets de sécurité dans les échanges et finalement de tiers de confiance. Et ça, c'est notre métier. Donc on les fait dans le passé, qu'on le fasse encore aujourd'hui sur du document, sur du courrier, sur de la lettre, c'est une chose. Qu'on le fasse dans le numérique aujourd'hui, c'est une déclinaison assez naturelle pour nous, puisqu'on est un tiers de confiance. Ce qui nous importe, c'est que dans les échanges, il y ait de la sécurité, il y ait de la fluidité, comme une lettre à La Poste, parce que si c'est pas facile, et c'est encore plus vrai dans le numérique, s'il n'y a pas d'usage, ça fonctionne pas. C'est de faire en sorte que ces échanges soient fluides, qu'on puisse s'identifier facilement en ligne, qu'on puisse facilement échanger des documents en ligne et le faire grâce au service de La Poste. Donc, à partir de là, on travaille et on a toujours travaillé sur des échanges entre particuliers ou sur des échanges entre particuliers et l'administration, entre particuliers et des organisations, des entreprises, etc. Sur le courrier, comme aujourd'hui sur le numérique. On s'est concentré sur le numérique, sur ces activités-là. D'abord beaucoup sur le particulier, donc c'est ce qu'on voit sur les slides avec ce qu'on a lancé le mois dernier sous le titre chapeau, mais sur des services qui existaient auparavant en partie, de login La Poste, avec cette idée qu'on se login grâce à La Poste facilement, où on propose un certain nombre de services qui permettent donc de justifier un certain nombre de choses en ligne. C'est d'avoir mon identité numérique, avec évidemment une accentuation sur les usages, c'est-à-dire mon identité numérique. On en a parlé un peu ce matin avec Jean-Michel Mondedeux qui présentait ce qu'était l'identité numérique de La Poste. En deux mots, c'est un facteur qui vient vérifier à votre domicile votre identité et votre adresse et qui vous permet d'avoir un compte login La Poste, une identité numérique La Poste, et cette identité numérique, qui est un login et un mot de passe, vous permet de vous connecter à l'ensemble des services de La Poste pour faire des services en ligne à La Poste au lieu de vous déplacer au guichet. C'est déjà une première chose. Mais pour pouvoir aussi aller sur des sites internet de consommation collaborative et aussi, on l'a vu ce matin avec France Connect, je déploierai un peu plus le sujet tout à l'heure, pouvoir se connecter à tous les services de l'administration, de l'État, des collectivités locales avec ce même compte. Donc vraiment, encore une fois, le rôle de La Poste qui est un tiers de confiance dans la vérification de l'identité et qui permet d'aller sur des usages à la fois dans le monde postal, dans le monde privé, des sites, et dans le monde public en se connectant au site de l'administration.
Donc là, on est vraiment dans notre rôle de tiers de confiance. On est dans notre rôle de faire le lien entre le monde physique et le monde numérique aussi, puisqu'en fait, pourquoi la Poste a été aussi retenue par l'État, est un partenaire de l'État dans le projet France Connect, c'est que derrière, il y a 80 000 facteurs qui sont capables d'aller voir tous les jours 60 millions de Français, de contrôler de vérifier leur identité et de leur fournir un compte login La Poste. Ça, c'est important, évidemment. Et il faut évidemment avoir un actif physique important pour pouvoir vérifier cette identité et faire les liens avec l'usage du numérique. Ça, c'est l'identité. On a évidemment des solutions autour de ma vie numérique, ma vie administrative numérique. Là, c'est tous les services dont a parlé Jean-Michel tout à l'heure aussi, qui est historiquement le coffre-fort numérique de La Poste, Digipost, et l'application mobile qui s'appelle Digipost Pass, qui est en effet un coffre où je reçois de manière sécurisée des originaux numériques de tous mes documents, des bulletins de salaire, des relevés de compte, des factures, mon diplôme, et qui me permet d'être à la fois en ligne, à la fois dans le numérique, et avec un degré de sécurité fort. Ce qu'on a fait ces dernières années, au-delà du niveau de sécurité, qui, vous le savez, ne suffit pas aujourd'hui à créer des usages, évidemment, on a développé des services autour de ça. Et quand on est sur Digipost maintenant, on n'est plus sur un service d'archivage, on est d'abord dans une vraie promesse de centralisation de ma vie, parce qu'on a plus de 600 partenaires en tout qui nous permettent de collecter automatiquement nos factures, nos relevés de compte, etc., et d'avoir tous ces documents sur soi, en mobilité aussi, mais aussi de faire des démarches de renouvellement de passeport, de carte vitale, des démarches privées aussi, donc des téléservices directement à partir de notre application ou de notre site. Donc ça, c'est quelque chose qui ancre vraiment ce coffre-fort, ce service de e-gestion administrative intelligente, comme on l'appelle, et qui permet vraiment de fluidifier ma vie en ligne, ma vie administrative. On va lancer en février, une application qui va aussi permettre de poursuivre cette lancée avec les données issues des objets connectés. Là aussi, avec une application qui permet, en un seul endroit, de récupérer les données qui sont issues des objets connectés. Ça peut être les données de mon chauffage, ça peut être les données de ma santé, de mon bracelet qui me permet de dire si je suis en bonne santé. Et de redonner à l'utilisateur le pouvoir, le contrôle sur ces données en une seule application, de les partager avec qui il veut et de l'avoir à disposition. Donc tout ça, c'est toujours dans cet univers qui nous permet de fluidifier les parcours sur le numérique, d'assurer une sécurité, d'avoir des usages qui ont du sens pour les gens, de faire le lien entre le physique et le numérique. Sur ma vie connectée, on a aussi des capteurs qui sont sur des frigidaires, par exemple, qui permettent d'envoyer une alerte et de déclencher un service facteur derrière chez une personne âgée. Donc on est là aussi sur les objets connectés, l'internet des objets et le lien avec des règles de gestion qui peuvent déclencher des services à la personne dans le monde réel. Donc on est toujours sur la rencontre entre ces deux mondes et des applications faciles. Donc ça, c'est vraiment notre axe autour des particuliers, des Français qui maintenant utilisent ces services. Donc il y a plusieurs millions de Français qui utilisent ces services aujourd'hui. On a, depuis l'application de Digipost Pass qui a été lancée il y a quelques mois, on a déjà 200 000 téléchargements en quelques mois. Et on a plus de 6 000 démarches activées chaque jour, donc pour partager des documents, partager des pièces d'identité vérifiées à partir de mon application. On travaille aussi, évidemment, et là je pense plus aux collectivités locales et aux élus qui sont dans la salle, on apporte cette expertise aux collectivités locales pour justement rentrer en contact avec ces individus qui utilisent tous ces services par millions. Alors évidemment, dans le cadre du projet France Connect, donc La Poste, DocaPost qui est notre filiale qui travaille sur ces sujets, et Localeo, notre partenaire qui fait des outils de gestion de relations citoyennes notamment, créer tout simplement des services internet, des applications, des téléservices pour les collectivités locales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on crée, mais qui crée également un accompagnement dans le cadre du projet France Connect. Vous l'avez vu sur la démonstration ce matin du bouton France Connect, La Poste, Login La Poste est un des deux, pour le moment, fournisseurs d'identité retenus par France Connect. Donc on sait mettre ça en place pour les collectivités locales qui veulent intégrer France Connect sur leur site. Mais on travaille aussi avec les collectivités locales pour que, tout simplement, elles utilisent nos outils pour que les fonctionnaires de la collectivité reçoivent leur bulletin de salaire dans leur coffre-fort numérique de manière sécurisée, pour que les citoyens de la ville reçoivent les factures de la cantine, ou reçoivent des attestations, ou reçoivent l'autorisation de travaux de manière sécurisée dans leur coffre-fort numérique. On fait aussi des démarches, c'est-à-dire des téléservices directement dans le Digipost Pass.
géolocalisée où on peut tout à fait, pour une ville donnée, pour un territoire donné, faire apparaître des démarches pour ces seuls habitants-là, d'inscription à la cantine, de demande auprès de la mairie, etc. Donc on a vraiment cette expertise aussi auprès des collectivités locales. Si on peut passer au slide suivant. Je fais juste un petit zoom maintenant sur France Connect, puisque le temps passe, pour montrer donc vraiment comment ça s'imbrique. On l'a vu un petit peu tout à l'heure dans la démonstration faite par Guillaume Blot, qui s'est connecté avec son identifiant, avec son compte login de la Poste, sur la ville de Nîmes. Donc aujourd'hui, on est dans des expérimentations depuis septembre. Plusieurs villes, plusieurs conseils départementaux ont mis en place la solution. Ça va se déployer sur l'année 2016. À chaque fois, il est possible d'intégrer France Connect et de permettre à ses citoyens, aux habitants du territoire, de se connecter avec l'identité de la Poste, qui est gratuite, puisque tous les habitants peuvent demander à la Poste d'avoir une identité vérifiée par le facteur. C'est un service gratuit pour le particulier. Et peut ensuite utiliser ce login pour se connecter via France Connect à des services publics nationaux. Guillaume Blanc en parlait tout à l'heure. Ça va être le cas du site des impôts à partir du printemps, mais aussi à des services publics locaux, au site de la mairie, au site de la communauté d'agglomération, etc. Donc là, on est vraiment fournisseur d'identité dans le cadre de France Connect, et c'était le cas depuis les premières expérimentations en septembre et tout cet automne, et ça va évidemment être le cas avec le déploiement sur tout le territoire en 2016. Voilà, et un dernier petit zoom pour vous donner une image de ce que ça représente en termes d'application pour le grand public, tous ces sujets. C'est quelques éléments sur l'application DigiPost Pass qui est sortie en mai 2015. Je vous disais, on a plus de 200 000 téléchargements. On est l'application productivité, la deuxième application productivité la plus téléchargée sur les stores depuis cette date-là. Et on est vraiment maintenant sur des usages, plus de 22 millions de documents stockés par les utilisateurs, et derrière 1 600 000 comptes abonnés qui utilisent les services pour recevoir des documents, les partager avec des tiers, les partager avec l'administration, avec une entreprise, avec d'autres particuliers, et garder tout simplement sa vie administrative dans un endroit sécurisé où l'utilisateur a le contrôle de ses données. Merci. Merci beaucoup, Olaf, pour cette présentation. On retiendra la dernière image de ce cadenas qui relie définitivement le secteur public, les services publics et les services commerciaux privés. Ce serait un lancement de débat excellent, cette image, je trouve. Merci beaucoup. Donc, Advance, racontez-nous alors. Parce que je ne vous connais pas, donc j'ai, comme les autres, envie de bien comprendre ce que vous faites. Donc, je suis Tanguy Boudaillet, je suis en charge en fait de l'offre collectivité territoriale chez Advance. Donc Advance, c'est qui ? C'est un des tout premiers acteurs français indépendants dans le domaine de la sécurité. On ne travaille uniquement que dans le domaine de la sécurité de l'information. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à prendre de l'avance et faire en sorte que la sécurité soit vraiment un actif différenciateur. Alors Advance a 15 ans, a été créé évidemment ici à Lille, mais depuis on a beaucoup grandi, on est une centaine de collaborateurs maintenant présents dans toute la France, avec des bureaux à Lille, mais également à Paris et à Lyon maintenant. Alors notre conviction, c'est que la sécurité doit être vraiment un facteur indispensable au développement du numérique. Elle doit être intégrée au cœur de l'ensemble des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouveaux usages que l'on développe de manière à apporter la confiance et donc au développement et à l'utilisation de ceux-ci. Donc la sécurité pour nous doit vraiment permettre aux organisations de tirer parti de l'ensemble des opportunités qui se présentent à elles sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc Il n'y a pas de développement économique et du territoire sans numérique, et je pense que vous en êtes tous convaincus. Et pour nous, on peut peut-être passer, à la slide d'avant, voilà. Et pour nous, évidemment, il n'y a pas de développement du numérique sans sécurité. Voilà, j'irai le postuler. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, et vous aussi, je pense. On va pouvoir passer au slide suivant. Alors le défi, maintenant qu'on a dit ça, hein, c'est que
Depuis de nombreuses années, en fait, ces 15 dernières années, de nombreux moyens ont été déployés, que ce soit des moyens humains, des moyens techniques surtout, avec un empilement de solutions de sécurité. Pourtant, les incidents de sécurité sont assez fréquents. On entend, évidemment, il n'y a pas une journée sans qu'on entend parler d'un vol d'informations. Alors, bien souvent, les informations proviennent non pas de la France, puisque à ce jour, en France, on n'est pas obligé, sauf pour les opérateurs, mais d'une manière générale, à signifier nos incidents de sécurité. Donc, finalement, il y a un certain nombre d'incidents qui se passent, on n'en est pas forcément tenu au courant. Néanmoins, il y a un certain nombre de moyens. La problématique, ce ne sont pas les moyens, c'est plutôt notre capacité à les organiser, à les utiliser. Alors, pourquoi ? Pourquoi les utiliser ? Alors, pour faire face aux problématiques de sécurité qui sont variées et nombreuses, alors, je ne vais pas vous bassiner avec un certain nombre de risques sécurité, néanmoins, voilà les éléments qui reviennent, qui ont pu être illustrés tout à l'heure, évidemment des risques d'intrusion, de vol d'informations, d'usurpation d'identité, et tout simplement aussi d'indisponibilité de l'ensemble des services que l'on met à disposition du citoyen. Ça fait vraiment partie du domaine de la sécurité. Si quelqu'un venait à rendre indisponible un des services, à voler de l'information, évidemment, le citoyen perdra confiance et n'utilisera plus les différentes solutions que vous avez mis tant de temps à effectuer la promotion. Un autre défi, en tant que collectivité, c'est aussi de prendre en compte vos spécificités. Les collectivités ont de multiples compétences et donc de multiples métiers avec des enjeux sécurité vraiment différents. Donc il est important de pouvoir aussi adapter la démarche en fonction des différents métiers de la collectivité, de prendre en compte le cadre réglementaire. Alors il y a notamment le référentiel général de sécurité qui encadre notamment la mise en place des téléservices. Donc il y a toute une démarche de sécurité qui s'impose aux administrations dans le cadre de la mise en place d'un téléservice, par exemple. C'est également d'identifier des nouveaux usages pour pouvoir les accompagner. Il ne s'agit pas d'avoir trop de temps de retard sur l'usage des utilisateurs. On parlait des réseaux sociaux, mais également l'usage des applications type Dropbox et autres qu'il faut savoir accompagner. On le verra après comment les accompagner. C'est pas si simple. Un autre défi, c'est innover, c'est accompagner l'innovation et travailler avec agilité justement pour accompagner les nouveaux services. Donc, je ne vais pas y revenir dessus, c'est vraiment le sujet, mais évidemment tous les sujets de dématérialisation, d'utilisation d'applications mobiles uniques, d'open data, tout ça pose des questions de sécurité. Alors comment faire ? Eh bien, comme on peut le faire au travers de notre accompagnement d'un certain nombre de collectivités territoriales en France, et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, avec l'accompagnement de la région, du département, de la métropole européenne de Lille, de quelques villes également du territoire, notamment la ville de Dunkerque, la ville de Tourcoing, mais aussi partout en France, eh bien, c'est d'agir. Il est temps d'arrêter finalement de s'interroger. Il faut mener concrètement un certain nombre d'actions, et ce, de manière pragmatique. L'idée n'est pas d'avancer tout azimut, puisqu'on a bien vu que l'empilement de désorganisés d'actions ne permettent pas d'assurer un niveau de sécurité adéquat. L'idée, c'est de définir une feuille de route qui soit réaliste, néanmoins ambitieuse. Alors, comment définir une feuille de route ? C'est finalement déjà faire un diagnostic de sécurité. L'objectif, c'est d'une part de pouvoir, au sein d'une organisation, comprendre quels sont les enjeux de sécurité de cette organisation. Deuxièmement, c'est de faire un bilan des forces et faiblesses de cette organisation d'un point de vue sécurité, c'est-à-dire de comprendre quelles sont les mesures humaines, quelles sont les mesures organisationnelles, quelles sont les mesures physiques et techniques en place, de manière par analyse d'écart, déterminer les différentes actions à mener. Ces actions sont vraiment à structurer au sein d'une feuille de route, une feuille de route pluriannuelle, de manière à pouvoir jalonner la démarche. Et évidemment, une des contraintes fortes, c'est évidemment la capacité de l'organisation en termes de ressources, en termes de budget et de pilotage de la démarche. Au sein de cette feuille de route, on peut
y intégrer des chantiers techniques du type mise en place de solutions techniques suite à voilà, la mise en lumière de vulnérabilités techniques, mais c'est aussi surtout la mise en place de chantiers tels que de la sensibilisation, la mise en place d'un véritable plan de communication lié à la sécurité, par exemple. La mise en place d'un plan de continuité d'activité en cas de sinistre. Un sinistre qui peut être physique, mais ça peut être aussi un sinistre lié à la cybercriminalité. Un autre point clé de la démarche, c'est d'intégrer la sécurité dans les projets. Comme beaucoup de sujets, c'est beaucoup plus simple quand on se pose les bonnes questions au départ, et de manière à ne pas subir les choses. Donc l'objectif, et ce qu'on met régulièrement en place, c'est une méthodologie, une démarche qui s'intègre dans les pratiques internes des organisations et qui vise à se identifier dès le départ d'un projet les différentes réglementations applicables. Il y a des réglementations sur tous les sujets, je parlais du RGS, mais sur les cartes bancaires, il y a tout un tas de réglementations autour de PCI DSS par exemple, qui sont à prendre en compte dès le départ, mais c'est aussi de bien identifier finalement la criticité sécurité du projet, de manière à pouvoir adapter la démarche. On ne pourra pas accompagner l'ensemble des projets de manière très approfondie. L'objectif, c'est bien d'identifier les projets clés et de les accompagner de la bonne manière, notamment dans le cas d'un téléservice. Il faut veiller à notamment réaliser une analyse de risque, organiser une homologation du projet au sein de l'organisation, et ça, c'est pas simple si on ne l'anticipe pas. Ça vise aussi à faire prendre conscience aux maîtrises d'ouvrage de la nécessité aussi d'intégrer les exigences de sécurité. Le fonctionnel, évidemment, c'est très important, mais il ne faut pas oublier aussi un certain nombre de critères liés à la sécurité pour éviter de faire de mauvais choix, finalement. Un dernier, alors il y en a finalement plein d'autres, néanmoins un point très important, c'est, et je crois que ça a déjà été évoqué, c'est notamment la communication, la sensibilisation. Et ça, c'est capital dans toute démarche, et notamment une démarche de sécurité qui, au premier abord, donne pas forcément envie, c'est de bien faire prendre conscience dans l'organisation, donc notamment au sein des directions générales, qui doivent être véritablement un sponsor dans le cadre de la démarche, de pourquoi il est important de faire une démarche de sécurité. Ensuite, au sein de l'organisation, au sein des différentes directions métiers, également qu'elles puissent collaborer et faire appel à la fonction sécurité de l'organisation pour être accompagnées. Et enfin, évidemment, les utilisateurs, qui doivent être vraiment les maillons forts de la sécurité. Ces dernières années, et finalement ça se développe de plus en plus, les derniers exemples l'illustrent également, beaucoup de failles de sécurité proviennent de l'exploitation, de l'utilisation du social engineering, enfin ingénierie sociale en français tout simplement, de manière à soutirer un certain nombre d'informations qui vont ensuite être utilisées pour mener des attaques techniques. Mais à l'origine, un certain nombre d'incidents ne proviennent pas de failles techniques, mais plutôt de failles humaines. Donc c'est un fait, néanmoins c'est pas satisfaisant, et donc dans toute démarche de sécurité il est vraiment important de prévoir un volet communication, donc avec la définition d'un plan de communication structuré qui peut être relativement modeste en fonction des moyens qu'on souhaite allouer, mais qui doit être structuré dans le temps. Alors cette démarche, on peut passer au voilà, cette démarche, c'est une démarche voilà que l'on mène depuis 15 ans auprès de nombreuses collectivités territoriales, mais également à l'échelle au plan national. Notamment, nous avons réalisé un certain nombre d'audits de sécurité justement sur France Connect. Nous sommes aussi fortement impliqués dans les différentes instances sécurité au sein de l'État. Nous travaillons régulièrement avec l'ANSSI. Nous sommes d'ailleurs prestataires d'audit en sécurité des systèmes d'information. Nous attachons, évidemment, nous collaborons au sein de différents clubs liés à l'informatique, mais nous attachons depuis plusieurs années maintenant à collaborer également avec le métier. Parce que comme vous l'avez compris, l'objectif d'Advance, c'est bien d'accompagner le métier dans la démarche sécurité. Donc c'est pourquoi nous sommes aussi heureux de pouvoir participer à un événement tel qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces interventions qui nous montrent bien que votre préoccupation est celle du meilleur service public, le plus en sécurité et dans le respect de l'identité de chacun. Je vais vous proposer de rejoindre la salle, nos intervenants pour notre débat de venir. Et pour ceux qui auraient eu des questions, à la fois de ne pas hésiter à interroger directement les personnes qui sont intervenues, et également, on reviendra sur l'ensemble de cet écosystème autour de l'identité numérique, et vous pourrez réagir depuis la salle si vous le désirez. Voilà. Merci à vous et d'avoir respecté l'agenda. Un peu confortable, mais bon, on n'est pas loin des 7 minutes pour convaincre. Merci. Donc, je voudrais appeler à mes côtés maintenant, après ces interventions de nos partenaires, qui permettent d'ailleurs de faire vivre aussi ces événements, je voudrais proposer à Nicolas Liot, qui est adjoint au maire de Fleury-sur-Orne, de nous rejoindre. Fleury-sur-Orne, c'est dans Caen-la-Mer, dans la grande agglomération de Caen. C'est là que nous tiendrons d'ailleurs les prochaines assises, le 6 mars. J'aimerais également que nous rejoignent deux représentants actifs de la région Nord-Pas-de-Calais, que sont Alexandre Desrousseaux, qui est chef de projet usage et services numériques à la mission Région numérique au Conseil régional, que la plupart d'entre vous connaissent. Ça fait de longues années que Alexandre diffuse à la fois pour la région, mais aussi à titre d'enseignant dans différentes maître de conférence dans différentes universités sur ces sujets du numérique. Je rappelle que la région Nord-Pas-de-Calais est membre de l'association Ville Internet, comme plusieurs régions de France, d'une manière historique. Je crois que c'était la première qui a montré l'exemple. Donc voilà, et nous appelons toutes les régions à la rejoindre, bien sûr, dans ce partenariat qui nous permet d'avoir un grand nombre de villes labellisées Ville Internet en région Nord-Pas-de-Calais. Également pour la région Maurice de Beauchère, qui représente ici Créatique. Il nous expliquera comment fonctionne ce centre de gestion et en quoi il est essentiel pour accompagner les collectivités locales de la région. Également, je suis très heureuse de vous présenter, si vous ne le connaissez pas déjà, Nicolas Chani, qui est donc président de l'Internet Society France. Alors, on est très content que Nicolas ait pris cette présidence après différents amis qui ont tenu cette place-là également. C'est très compliqué aujourd'hui d'être le président de l'Internet Society France, parce que ça reste l'Internet Society, ça a été fondé aux États-Unis. Donc il y a des tas de gens qui sont un peu inquiets à cause de ça, mais en l'occurrence, les positions dans la relation, notamment avec la gouvernance de l'Internet, sont absolument essentielles. Il faut que la France tienne ce rang-là, de notre point de vue, en tout cas, d'où la présence de Nicolas ici. Et puis Adrien De Vos, que vous avez entendu, il a fait une petite intervention tout à fait pertinente pour rappeler que la médiation numérique devait accompagner ces enjeux d'identité et de sécurité dont on a parlé. Et donc il est responsable de l'association pour le développement en réseau des territoires et des services dans des régions qui, comme d'autres, nous sont chères, et dans des endroits où la médiation numérique est le seul rapport des citoyens avec le numérique, finalement, parfois, notamment en grande ruralité. Mais ce n'est pas uniquement de ce point de vue-là qu'il parlera. Alors, je vais vous proposer, on vous a promis un temps participatif, donc ça va être le cas. Donc je vais proposer à chacun de se présenter, non plus dans ses intitulés ou de compléter ce qui pourrait manquer simplement, mais sur ce que vous, de votre point de vue, comment vous abordez ce sujet, comment vous y apportez une contribution. Et s'il vous plaît de le faire dans un temps un petit peu restreint, quelques minutes chacun, et ensuite on commencera les interventions depuis la salle en réaction à ce que vous avez lancé comme sujet sur ce débat de l'après-midi, et puis on reviendra vers vous une fois la salle, et on reviendra, on va jouer un petit peu cet effet comme ça. Donc préparez vos réactions, vos questions, vos remarques, vos propositions, vos suggestions. Elles sont tout à fait bienvenues. Alors je vais commencer par l'élu, ça se fait. Voilà, il fallait bien choisir. Donc Nicolas, je te laisse la parole. Oui, alors développer la confiance numérique.
développer la confiance numérique des citoyens et des acteurs locaux. Alors nous, évidemment, on est une commune de 4000 habitants, donc on essaie de stimuler en fait la participation des habitants et donc finalement de trouver les citoyens et les acteurs là où ils sont et de les impliquer dans notre démarche, quoi. Alors c'est évident que pour une collectivité, ça a été dit ce matin, les collectivités sont repères et garantes de cette confiance. Et nous, ce qu'on essaie, c'est finalement d'expliquer notre démarche, d'expliquer nos choix. Donc, et à travers cela, en fait, ça permet aussi aux citoyens et aux acteurs de prendre conscience de ce qu'est finalement la sphère publique et la sphère privée, ce qui relève de la sphère publique et finalement ce qui relève de la sphère privée, quoi. Donc, à partir de là, on le fait via nos outils, on le fait aussi via l'espace public numérique auquel on demande d'intervenir à la fois sur le lieu même, mais aussi à l'extérieur, lors des événements, finalement essayer de trouver les acteurs là où ils sont pour expliquer la démarche, les sensibiliser sur ce qu'est la confiance et puis en termes de numérique et puis les outils et comment comment on essaie de les développer. Donc voilà. Une petite question par rapport à, je crois savoir que quand la maire et les acteurs que vous avez sur le territoire sont très impliqués sur la question de l'identité numérique notamment. Oui, oui. Alors, en deux mots. Alors c'est aussi historique parce que si vous savez, en fait, ça a été un peu abordé ce matin, notamment la carte à puce, etc. Donc en fait, on a des entreprises qui étaient implantées sur le territoire de quand la mer et donc on travaillait sur les questions bancaires y compris alors il y avait alors ça a été longtemps Philips, ça a été ensuite à un moment il y a eu Delarue, Auberture, etc. Et donc il y a eu un moment une mutation du secteur et donc de fait vers le NFC y compris l'identité numérique. Il y a par exemple alors j'ai oublié le nom de la société, c'est qu'on disait Art Déco, voilà. Art Déco qui aussi a créé une application un peu similaire et complémentaire à France Connect. Donc c'est vrai que le secteur, notamment autour de la Normandie French Tech, est très impliqué sur la question de l'identité numérique. Mais, merci, et donc on aura probablement des rencontres tout à fait passionnantes avec ces acteurs-là le 6 mars. Alexandre, on parle des collectivités beaucoup, puisque c'est normal, c'est Ville Internet, mais on a aussi vu la position de l'État et l'effort que fait l'État pour accéder à ces services de manière sûre et avec une identité certaine, enfin confirmée, vérifiée. Comment aujourd'hui une région, comme la région Nord-Pas-de-Calais, peut accompagner ces collectivités et quels sont éventuellement les principes qu'elle doit faire éventuellement respecter puis en tant qu'acteur territorial pour que ce sujet soit abordé avec sérénité, parce que c'est source de choix politiques, c'est source de choix technologiques et c'est source éventuellement de divergence aussi sur la manière de gouverner, puisque l'identité est aussi un outil de gouvernance. Alors je te remercie de ne pas avoir posé la question quel est le rôle de la région, parce que j'aurais répondu rien, en tout cas rien en direct. Une région, vous savez ce que c'est un grand machin, encore plus grand demain. Nord-Pas-de-Calais-Picardie, je ne sais pas encore quel en sera le nom. Un grand machin qui produit de la stratégie, qui produit de l'orientation. C'est le cas de la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on s'est doté d'une stratégie sur ce sujet. L'un des éléments que nos élus ont souhaité mettre au cœur de notre stratégie de promotion des usages des services numériques, ça a été de mettre l'usager au centre. C'est ce qui fait que, on va parler de l'action d'accompagnement, on va dire argent. Nous, on n'a pas d'argent en propre, on a du FEDER, mais voilà, on va prendre en Bruxelles l'argent dont on a besoin. On a dit, tiens, il y a trois manières de placer l'usager au centre. Il y a le fameux co-design que nous promouvons. Et on pense aujourd'hui que pour avoir une stratégie territoriale de développement d'usage et service, eh bien, il faut l'appliquer en amont, l'usager. Il y a la dimension débat. Il faut mettre en débat ces sujets-là parce que ce sont des sujets techniques, mais en fait, ce sont des sujets politiques.
Et puis le troisième niveau, là encore, le diable est dans les détails, c'est ce dont on a beaucoup parlé ce matin, les plateformes technologiques. Jean-Paul disait, je reprends son propos, mettre en place des plateformes qui absorberont la complexité pour permettre la simplification pour l'usager. Je pense que l'enjeu, il est là. On est là en train de faire des bidouilles informatiques qui vont permettre à l'usager d'avoir une vie plus simple et de ne pas effectivement devoir gérer la multiplicité des identifiants, etc. Donc nous, notre rôle, c'est de promouvoir effectivement cette simplification et donc de permettre de faciliter les échanges de pratiques, de permettre l'inclusion de volets dédiés à ce sujet dans les grands projets que nous allons accompagner vers le financement européen. Voilà, ce sont principalement les actions que nous, aujourd'hui, on peut jouer à l'échelle d'une région. Merci. Maurice, une région ne peut pas agir seule. Les centres de gestion sont là pour aussi accompagner les acteurs territoriaux. Comment Créatique s'empare de ce sujet-là pour accompagner les collectivités ? Alors, Créatique, c'est un centre de ressources e-administration et technologie de l'information et de la communication qui a été créé par le CDG. Le CDG étant un petit machin départemental par rapport à la région, bien sûr. L'objectif de ce centre de ressources, c'est d'accompagner les collectivités dans tout ce qui est appropriation du numérique, c'est-à-dire dans tous les projets numériques. Effectivement, notre objectif, historiquement, il est passé par deux étapes. La première étape, c'était faciliter la dématérialisation des échanges entre les administrations, que ce soit entre collectivités ou entre les collectivités et l'État, Actes, PES, etc. Et puis, on est passé à une deuxième plateforme, si je puis dire, qui est effectivement simplifier l'administration électronique, enfin aider les collectivités à simplifier l'administration électronique dans les relations avec les usagers, tout en veillant à la sécurité que cela impose. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de confiance sans sécurité. Donc les trois missions actuelles de Créatique, qui sont exercées à travers un groupement de commandes, le groupement de commandes regroupe 700 collectivités, donc tourne autour de trois axes, dématérialisation inter ou administration, sécurité des systèmes d'information et relation avec les usagers. Alors, ça veut dire effectivement qu'on va se poser le problème de l'identité. Pourquoi ? Parce qu'on parle de plus en plus du cloud. Le cloud, ça veut dire qu'on va avoir des données qui vont être stockées quelque part. On ne sait pas trop où. Tout ce qu'on sait, c'est comment y accéder. Comment y accéder et avoir l'authentification pour pouvoir y accéder. Donc le problème de l'identité numérique, elle va se poser aussi bien pour les agents que pour les élus, que pour les usagers. Effectivement, on a, depuis 2008, travaillé sur l'identité numérique et on s'est attaché à la fédération d'identité. Ce qui fait qu'on a créé un fournisseur d'identité pour les agents. Et on propose, dans le cadre du groupement qui est actuellement actif, tout un tas de services qui viendront, dans quelques mois, se raccrocher à ce fournisseur d'identité. La différence avec France Connect, c'est que c'est une vraie fédération d'identité, à savoir qu'on a un compte centralisateur et on vient lier les comptes des applications, enfin des fournisseurs de services, à ce compte. La deuxième vague qui arrive, c'est effectivement la production de sites Internet, mais surtout de téléservices, avec France Connect. L'objectif, comme je le disais, c'est de simplifier le back-office des collectivités à travers la simplification pour les usagers. Donc ce groupement de commandes est actif. Je vous disais, il y a plus de 700 collectivités. Les services sont en train de se mettre en place. Donc n'hésitez pas, si vous avez adhéré au groupement de commandes, à nous faire signe. Voilà, un appel qui est lancé. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur certains projets qu'on adressera à l'ensemble des villes Internet du territoire. Pour ce qui est de Adrien, de cette médiation dont vous parliez tout à l'heure,
Est-ce qu'aujourd'hui, les médiateurs numériques, qui sont notamment dans les espaces publics numériques, même si tout ça est en train de se transformer avec des pôles interrégionaux qui viennent d'être organisés avec le concours d'Axel Le Maire, la secrétaire d'État au numérique, qui a signé des partenariats avec des associations qui supportent dans l'ensemble de la France des pôles interrégionaux de médiation numérique, est-ce que, de votre point de vue, un médiateur du numérique aujourd'hui, dans l'état actuel de ses compétences, de sa formation, des services qu'on lui demande aussi, est susceptible d'intervenir sur ce sujet de l'identité et de la sécurité qui, par ailleurs, peut sembler difficile à vulgariser? Oui, alors, donc je représente effectivement, je travaille pour une association qui s'appelle l'ADRE, on travaille sur l'accès aux services publics dans les Alpes, mais je suis là au titre de la CORAIA, la coordination Rhône-Alpes de l'Internet accompagné, qui est financée par la région Rhône-Alpes. Donc on est un peu on est financé par les homologues, Alexandre. Il faut se dire qu'il y a autant de médiateurs numériques qu'il y a d'espaces publics numériques, autant de profils. L'écueil principal serait d'avoir un attendu unique et formalisé de ces points-là. Comme d'ailleurs il y a autant de profils d'élus au numérique que de direction, enfin que de nombre d'élus. Donc la question principale sur, elle est bien celle de la formation. Aujourd'hui, il y a deux choses en cours dans le cadre de la structuration nationale de la médiation numérique. Il y a des accords qui sont passés entre le CNFPT et les réseaux de la médiation numérique pour à la fois former les médiateurs numériques, bien sûr, qui relèvent de la fonction publique territoriale, mais aussi d'inscrire les EPN comme centre de ressources en tant que formateur pour les autres agents des collectivités du territoire. C'est un des enjeux si on veut parler co-design, si on veut parler implication de la population. Nous, on estime que c'est bien, dans la mesure où ces lieux en sont capables et en ont les compétences, d'associer les espaces publics numériques ou les tiers-lieux ou toute autre structure de médiation numérique à l'élaboration des politiques numériques. Le second point, en deux mots, un petit dispositif mis en place par la région Rhône-Alpes qui s'appelle le pass numérique. Ils se sont rendus compte que par rapport à ces questions, notamment d'identité numérique, de dématérialisation, ce dont les gens avaient besoin avant même de savoir manipuler Pôle emploi.fr ou France Connect, c'était d'avoir quand même un peu un ordre d'idée de ce qui se trame derrière tout ça. Et ils ont mis en place une session de 10 heures de formation à destination de tous les usagers. 10 heures pour lesquelles l'usager se rend dans un espace public numérique et à 4 modules autour de la collecte et de la vérification de l'information, de l'identité numérique, de la e-administration et du lien social local ou comment le numérique peut venir alimenter et développer du lien social local. C'est un dispositif qui a connu un grand succès. Il s'avère que la conclusion principale, c'est qu'en fait, avant que le public lambda suive cette session, il fallait que les élus et les techniciens y passent. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les travailleurs sociaux, les agents des collectivités et une grande majorité des élus n'avaient pas la moindre idée de quels étaient les enjeux. Alors ici, je parle à un public d'invertis, mais je peux vous garantir que, par ailleurs, les élus et les techniciens des collectivités n'ont en général pas la moindre fichue idée de ce qui se trame derrière le cloud, on en a parlé, derrière qu'est-ce que c'est Internet, et la question de l'acculturation à tous ces enjeux, elle est très importante. Et dernier point, dans un rôle où je suis content d'entendre dire à cette tribune que le numérique, c'est politique, depuis tout à l'heure, on parle sécurité. Moi, je pense que c'est très important et en même temps, on voit quand même des injonctions contradictoires entre le fait que les collectivités sont incitées à faire preuve de sécurité et qu'en même temps, on incite les citoyens à surtout pas protéger leur connexion et leurs interactions sur Internet parce qu'il faudrait pas quand même qu'il y ait des vilains terroristes qui se cachent derrière. Et je pense que malheureusement, on est quand même face à une incompréhension nationale de quels sont les enjeux du numérique. Et je ne suis pas sûr que mettre des mouchards derrière tous les fournisseurs Internet, ce soit une très bonne manière de s'atteler à cette question de l'identité numérique. Voilà. Mais sur le débat est lancé. Bon, le mot mouchard, je l'assume et je le garde pour moi. On verra si certains ici veulent effectivement réagir et s'en emparer d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, ce qui a été dit jusque-là, Nicolas, pose un vieux sujet, si je peux me permettre, qu'on a abordé depuis longtemps, qui est celui de la gouvernance de l'Internet. Alors, si ça ne te dérange pas de rentrer peut-être par cette définition-là, parce qu'on confond souvent gouvernance des services, etc., et gouvernance du réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un enjeu de gouvernance du réseau et pourquoi, comment ?
En plus que 7 minutes, alors. Globalement, ton point de vue simplement. Oui. Hein, c'est pas non, en quelques mots, enfin, je vais juste resituer, enfin, en une minute qui en est. Donc, l'Internet Society, c'est une organisation internationale. Il y a à peu près 68 000 membres, et on est présent dans une centaine de pays. Et notre objectif, c'est de représenter les utilisateurs d'Internet. On est membre at large de l'ICANN. Donc on représente au sein de l'ICANN les utilisateurs. L'ICANN étant donc... L'ICANN, justement, j'allais expliquer qui est l'organisme qui est chargé du nommage. Et donc c'est celui qui attribue les points quelque chose, donc ce qui va vraiment à la fin de l'adresse Internet et du coup qui représente un des piliers du nommage Internet. Donc, nous, on est aussi les gestionnaires du .org, et ce qui est une source de financement de l'Internet Society, et du coup, qui nous permet d'agir à la fois localement sur des pays en voie de développement, par exemple, pour donner des bourses sur des projets d'innovation, d'agir sur de la formation, de l'éducation. On a fait aussi des modules sur la partie identité numérique, et puis d'agir dans les instances de la gouvernance de l'Internet, sachant qu'effectivement c'est des instances qui sont assez complexes, très américaines, donc il y a des choses dans lesquelles vous pouvez venir avec nous, ça permettra d'avoir aussi des points de vue des collectivités. C'est par exemple le forum de la gouvernance de l'Internet, qui est un forum qui est un forum de discussion, d'échange, et qui du coup fait des propositions après au niveau international, et qu'on a relancé depuis 2 ans en France. Donc ça, c'est une initiative qui est intéressante. Et puis on est dans un calendrier sur la gouvernance de l'Internet qui est assez particulier. Je vais essayer vraiment de le résumer en 2 mots. En décembre, il y a le sommet mondial de la société de l'information, qui est un sommet qui a lieu 10 ans après le sommet de Tunis qui avait eu lieu en 2005. Donc j'ai cru comprendre que globalement on allait plus ou moins réécrire ce qui avait été créé à Tunis il y a 10 ans, mais que comme c'était très complexe de se mettre d'accord au niveau international, ça allait pas bouger beaucoup. Tout le monde était toujours d'accord sur ce qui avait été dit en 2010, mais par contre il y a une transition qui est en cours quand même au niveau international et au niveau de la gouvernance qui est intéressante, c'est la transition des fonctions que gère aujourd'hui l'ICANN, qui sont donc la gestion c'est eux qui attribuent les .com, les .net, les .org, et là le gouvernement américain a engagé une transformation de ça vers quelque chose qui soit plus sous l'égide du gouvernement américain, parce que c'est encore le cas pour l'ICANN. Donc c'est des discussions qui ont été repoussées, mais où globalement il y a quand même des enjeux aujourd'hui de faire en sorte que ce soit pas que les États-Unis qui aient la main mise sur la gouvernance de l'Internet. Et je dirais 2 mots sur la confiance après, mais on fait un tour après. Non, vas-y. Non, c'est, alors, si, enfin, en tout cas, pourquoi on a voulu qu'il y ait ces personnes qui soient là ici ? Parce qu'en fait, quelque part, on a depuis ce matin une représentativité à peu près complète de tous ceux qui sont impliqués sur les enjeux d'identité et de sécurité, de toutes les typologies d'acteurs. Et c'est ça sur quoi on voulait aboutir dans cette relation avec vous. Et maintenant, on est intéressé à entendre les auditeurs de cette journée et à voir comment, en fonction notamment des acteurs que vous avez là en face de vous maintenant, quels sont les sujets qui vous paraissent les plus pertinents de là où vous êtes, ou quels témoignages vous voudriez apporter. Donc je vous laisse, le cas échéant, prendre la parole. Alors vous allez jouer le jeu, hein, parce que sinon on va ramer, nous. Ou alors vous... Vous continuez la sieste ? Qui veut... Pourtant, il n'y a pas de frites. Alors, oui, hein, franchement. Donc, l'acteur régional, international, non, bien français, mais en relation avec les maîtres de l'Internet. Encore, il y a un bouquin qui s'appelait comme ça, et je pense que malheureusement, on peut encore dire ça aujourd'hui, d'un certain point de vue.
les acteurs de la médiation et les élus. Vous en êtes, vous faites partie de ces réseaux-là, et qu'est-ce que vous pourriez en dire aujourd'hui, là maintenant, cette identité du citoyen? Est-ce que vous avez le sentiment, après ce que vous avez entendu, que tout est en marche pour qu'elle s'opère dans l'ordre? Elle ne vous pose pas de problèmes, d'enjeux, de questions? Est-ce que vous avez des solutions à y apporter, des contributions à donner? Moi, j'ai une réflexion sur... Pardon. Ah, oui. J'ai une réflexion sur une parole qui a été dite ce matin de l'élu de Vannes sur on est dans une société, on essaie de simplifier l'usage de la ville aux usagers, et on voit des institutions du type la CNIL qui nous mettent des freins alors que c'était tout à fait ouvert, notamment quand on a eu le projet de carte de vie quotidienne dans les années 90. Et puis en 2013, on nous dit non, les services que vous avez mis en place dans le cadre de ces cartes de vie quotidiennes, c'est battu en brèche, on va mettre 10 grandes familles. D'abord, au départ, c'était chaque famille, chaque service avait son identifiant, et les élus des collectivités sont montés au créneau en disant non, c'est pas possible de gérer chaque service avec un identifiant spécifique, on va créer 10 grandes familles de services, et d'ailleurs, ça posait des problèmes, puisque... À la base, c'était 7 familles de services, après c'est passé à 10, et la famille de stationnement n'était pas liée au transport, mais on a bien vu que dans la chaîne de déplacement, en fait, le stationnement devait être lié au transport, et encore, je ne sais pas si le stationnement n'est pas lié à la voirie, et la voirie ne fait pas partie de la chaîne de transport. Enfin bon, c'est assez complexe, donc d'un côté, on nous dit qu'il faut simplifier la vie des usagers, et puis après, on nous dit il faut bâtir des usines à gaz, et aujourd'hui, on est vraiment là, et si on est là aujourd'hui, et qu'on parle, et de toute façon on n'a pas encore les solutions, on ne sait pas comment on va mettre en place les systèmes pour simplifier la vie des usagers avec des contraintes de plus en plus fortes. Donc où se situe aujourd'hui, on se situe où? Est-ce que quelqu'un dans la salle ou autour de moi veut essayer de réagir, parce que je ne crois pas qu'on ait de réponse. La CNIL a été invitée à Vannes, la CNIL a été invitée ici, la CNIL sera invitée à Fleury. Nous espérons qu'ils nous rejoindront. Voilà, ils ont répondu qu'ils ne venaient pas. Voilà. Donc, je vais même ajouter, on leur a posé la question, puisque à la base on avait une carte avec un seul identifiant. Et on a dit, bon, on a différentes familles de services, on va y mettre des clés de cryptage, et chaque système utilisera une clé qui lui est propre. Et donc, à partir d'un identifiant unique, on a la possibilité de diversifier les identifiants, et donc de gérer différentes identités, différents identifiants. Et au départ, ils étaient opposés à ce système. Donc, à mon avis, la question a été posée à des juristes qui sont restés sur leur vision des choses juridiques. Et puis après, on a reposé la question, mais peut-être à des techniciens au sein de la CNIL. Et là, ils ont dit, ah oui, là, ça nous intéresse. Éventuellement, vous pouvez faire les choses. Donc, en un an, ils ont changé de position par rapport à l'acceptation. Et ils ont bien vu que les collectivités étaient dans l'incapacité de pouvoir muter, de faire des mutations technologiques entre un moment où, dans les années 90, ils étaient bien sur la base d'une carte de vie quotidienne qui devait être l'élément et le support de l'accès à tous nos services de la collectivité. Ça devait être même la carte d'identité portée par la carte d'identité. Je pense que le carte d'identité actuelle ont des puces, et je pense que c'était l'objectif à la base quand on avait les cartes d'identité, de pouvoir, comme ça se passe dans un pays de l'Est qui est très intégré, dont le système a été mis en place d'ailleurs par des ingénieurs français, soit en Lituanie, je crois. Donc il faudrait vraiment avoir, ou que les élus fassent pression sur la CNIL pour savoir où on va, quoi. Alors, il y a plusieurs questions dans votre remarque. Une réaction de Laurent Charéron et ensuite Maurice de Beauchère. Alors, je peux pas répondre pour la CNIL, mais si on regarde ce qui se passe sur le plan de la réglementation, les différentes approches de la réglementation mondiale, vous avez une approche qui est une approche plus nord-américaine, qui consiste à considérer que la donnée est une donnée commerciale, est un asset, comme on dit, et donc c'est la FTC aux États-Unis qui va réglementer, et non pas sur des grands principes, mais pratiquement au cas par cas. Donc vous avez toute une série de
d'actes, plus d'une dizaine d'actes, qui vont réglementer, par exemple, l'accès pour les enfants de moins de 13 ans, ou bien l'échange de données pour l'observation dans le domaine de la santé, des choses comme ça. L'approche européenne est quand même très fortement inspirée par la France. Elle est beaucoup plus, j'allais dire, dogmatique sur les principes. C'est des philosophies de droit, fondamentalement. Et ça connaît forcément des limites. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi qu'il y a des aspects complètement contre-productifs de la réglementation. C'est que si on prend, par exemple, les cookies qui ont nécessité des adaptations de sites web qui ont coûté terriblement cher, ça ne sert absolument à rien, puisque de toute façon, on ne peut pas avoir accès aux fonctionnalités du site si on ne clique pas sur l'acceptation du cookie. Donc c'est des espèces de trucs qui sont des schmilblicks juridiques qui ne correspondent pas à la réalité de l'utilisation. Ensuite, il faut faire des cas et des jurisprudences, et je pense que c'est un avis personnel, mais la CNIL est confrontée à ces aspects-là. Ils sont pas débiles, ils voient bien comment l'Internet évolue, mais ils sont aussi peut-être pris dans ces contraintes de philosophie de droit. Quoi. Maurice ? Ça marche. Tout à l'heure, on parlait de projet politique. Effectivement, si on a un projet politique qui va dans le sens de la simplification et qu'on dit de façon simple, comme nos amis wallons, on ne réclame pas à un citoyen un document qu'une autre administration peut fournir, on a un vrai projet politique. À partir de là, on essaie de trouver des solutions techniques qui vont dans ce sens-là. Et puis il y a des gendarmes, soit des gendarmes juridiques comme la CNIL, soit des gendarmes techniques comme l'ANSSI, qui effectivement vont influencer, enfin vont dire... On ne peut pas faire ça pour telle raison, on ne peut pas faire ça pour telle raison. La CNIL, effectivement, s'est battue pendant un moment pour éviter qu'on puisse remonter à travers les identifiants pour accéder quand on a une authentification centralisée, pour qu'un fournisseur de services, à travers le compte centralisé, remonte vers un autre fournisseur de services, typiquement remonter vers les impôts pour aller chercher des infos. La caisse d'allocation familiale remonte vers les impôts ou des choses comme ça. Puis est arrivée la fédération d'identité. La fédération d'identité, c'est une solution technique qui effectivement a satisfait la CNIL, puisqu'il n'y a pas moyen de remonter à travers les identifiants. Donc à partir de ce moment-là, la CNIL a dit OK, à partir du moment où... Enfin, elle a donné sa bénédiction sur le système de fédération d'identité. Alors par rapport aux cookies... La position de la CNIL, c'est de dire il y a effectivement un cookie qui peut être posé, c'est le cookie de session. Donc effectivement, si on n'accepte pas le cookie de session, en général, on n'accepte pas au service. Par contre, si vous laissez faire les opérateurs, vous avez des cookies qui sont posés pour 2 ans, 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans ou pendant 2 ans, vous êtes traqué sur vos visites, puisque n'importe quel site peut aller voir si ce cookie, pour savoir si vous êtes déjà passé ou pas. La CNIL a dit... 2 ans, c'est trop long. 13 mois, ça suffit. Alors pourquoi 13 mois? Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas 16 mois? C'est 13 mois. Donc je pense qu'effectivement, la vraie réalité, c'est le projet politique. C'est à un moment donné, on dit, on veut telle chose. Et puis derrière, il y a un tas de mouvements tectoniques, des plaques qui vont dans un sens, qui vont dans un autre, jusqu'à ce qu'on ait des passerelles qui, effectivement, nous donnent quelque chose de viable. Donc je ne ferai pas de reproches globaux à la CNIL, qui essaye effectivement de protéger un certain nombre de droits élémentaires. Je ne ferai pas de reproches à l'ANSSI, qui essaye de faire respecter un certain nombre de droits techniques, enfin de règles techniques. Je pense que tout ça doit s'adapter et qu'effectivement, ça prend un certain temps pour se positionner. Là, effectivement, on a un système qui s'appelle France Connect, qui a la bénédiction apparemment de tout le monde. Donc... allons-y, et puis on verra effectivement s'il y a des problèmes de faille de sécurité, mais a priori, on a la bénédiction de tout le monde. Merci, merci Maurice. Adrien, tu voulais intervenir? Non, c'est moi qui l'ai en fait. Non, juste une petite réaction, et je donne la parole à Adrien. Sur une anecdote. Un jour, je présentais... l'équivalent de la carte d'Amiens à la Tech ITS, qui est un organisme de transport, et je présentais les vertus anonymisantes de la carte, et il y a quelqu'un qui m'interpelle, qui me dit « Oui, vous vous rendez compte, je viens de m'acheter un téléphone Samsung, je me suis connecté avec, et aussitôt, ça m'a redescendu tous mes favoris. »
Je lui ai répondu, mais personne ne vous oblige à utiliser Google Chrome et personne ne vous oblige à acheter un téléphone Samsung. Et je pense que, pour revenir sur la logique de la médiation, les lieux sont aussi faits pour ça, pour éduquer sur un certain nombre de comportements, utiliser le mode privé. Enfin, là, il y a une polémique actuellement sur Google Chrome avec les add-ons qui scrutent les données. Ben, je pense qu'à un moment donné, on n'est pas obligé d'utiliser Google Chrome, on n'est pas obligé d'utiliser Google. Il commence à y avoir d'autres alternatives. C'est vrai que ce sont des solutions de facilité. Et je pense que la médiation est importante dans ce cadre-là. Il faut que chacun puisse être acteur de ce changement. Oui, alors sur cette question, on est tout à fait d'accord. On touche à quel est le rôle du médiateur dans ce cas-là? Est-ce que ça va jusqu'à dire, Google a peut-être pas besoin de vos informations, il a déjà ceux de 3 ou 4 milliards de personnes. Est-ce que c'est le rôle? C'est une vraie question hein, qui se joue dans les réseaux. Jusqu'où on va dans cette sur ces questions-là? En tout cas, sur des pratiques, on va dire, à minima, de protection de la vie privée, là, il y a plutôt un consensus. Sur la question de la CNIL, je reviens parce que dans les lieux d'accueil, il y a une question qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont parfois même pas une adresse mail ou qui, à minima, viennent dans un espace public numérique ou une maison de service au public pour faire leur compte La Poste ou leur compte France Connect. Et on a des animateurs et des animatrices qui se retrouvent avec des listes qui n'ont parfois, à l'échelle territoriale, rien à envier à celle de Google, puisqu'en fait, les gens sont dans une telle incapacité manipulatoire de faire avec le service, préfèrent que ce soit le médiateur, ou qui du coup n'est plus un médiateur, mais un faiseur à la place d'eux. Et on a sollicité la CNIL, alors qui nous non plus, ils viennent pas plus dans les Alpes, hein, je vous rassure, pour venir expliquer à ces lieux d'accueil qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Et puis, avec un vrai problème qui est pas d'ordre technique, mais humain, est-ce qu'on dit à la personne, ben non, je peux pas vous aider parce que je vais pas pouvoir retenir vos informations, donc il faut aller jusqu'à leur dire retenez-les, mais sauf que quand vous avez 300 personnes qui viennent dans le mois, vous pouvez pas retenir de tête les 300 mots de passe. Dans le lot, il y en a forcément qui les oublieront, qui les auront pas notés. Donc ça pose des vraies questions sur l'accompagnement à l'e-administration et jusqu'où on peut aller. Et je pense que c'est plus, je pense qu'ils sont un peu perdus effectivement. Je rejoins le point. Aujourd'hui, ils sont pas capables sur ce volet-là de dire, dans le cadre d'un accompagnement à l'e-administration, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme fichier, puisque voilà, on est obligé des fois de faire à la place de la personne. Alors ce que ça veut dire, on appelle l'assistante sociale avec un téléphone crypté en disant voici le mot de passe, mais en même temps, elle non plus n'est pas censée détenir un fichier comportant tous les mots de passe de l'administration. Ça pose des vraies questions qui sont pas, pour lesquelles on n'a pas encore de réponse aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut compléter, réagir? Cette question de la relation sociale que les personnes déploient parfois via Internet, c'est-à-dire on le voit sur l'emploi, sur la santé, dans des endroits où effectivement les données personnelles sont particulièrement sensibles. Ça pose effectivement une question non seulement politique, mais probablement philosophique et éthique, sur laquelle on a du mal à prendre une position, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit dans la population que la majeure partie des Français sont inquiets, la première inquiétude qu'ils ont avec le numérique, c'est leurs données personnelles, sans qu'ils comprennent bien d'ailleurs nécessairement ce que ça veut dire. Souvent, on leur a dicté cette expression, alors ils voient données personnelles, effectivement, ça fait peur, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, au-delà de la formation, de la médiation qui est nécessaire, c'est quelle est la vraie question qu'il faut se poser? Est-ce qu'on doit vraiment avoir peur? Comment, quand on dit des politiques doivent intervenir, il faut qu'ils réclament, etc. Quelles sont les réponses, à la fois, j'ai envie de dire, de la part du secteur public dans la protection du service public, puisque quelque part, il y a dans la protection des personnes et du service public, mais aussi parmi les porteurs de solutions, comment vous traitez, vous abordez, j'ai envie de dire, à la fois dans vos éléments de communication, mais aussi dans philosophiquement, c'est cette question-là, qui on est tous citoyens, qui se pose à nous. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à cette question complexe que j'essaye de poser? Oui, madame. Bonjour.
Bonjour, alors je suis Jamila Bentra, je suis chargée de mission prospective territoriale au sein de la MEL. Je ne suis pas particulièrement dans le domaine informatique, mais plutôt d'apporter un peu de hauteur, de recul et de dimension transversale au sujet. Et donc, par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin, moi, ma réaction, et en faisant le lien aussi à d'autres séminaires ou salons, la question que je me pose, c'est par rapport à la donnée. Puisqu'on est en collectivité territoriale, le rapport à la donnée au niveau des territoires, c'est finalement gérer les territoires. Et la question que je me pose par rapport à ces données, par tous ces grands qui sont Facebook, Google, Amazon, etc., je pense que la clé, la question qu'on doit se poser, c'est finalement cette recherche de récupérer de la donnée, alors que du côté du public, c'est cet enjeu de gérer les territoires. Quelle est la finalité pour eux? Alors si c'est juste une approche, une dimension commerciale, identifier les modes de consommation, orienter les besoins, à titre personnel, moi je ne suis pas choquée puisque finalement on est dans un système consumériste et au quotidien, au travers des publicités qu'on reçoit, télévision, prospectus, etc., au quotidien on est orienté sur nos modes de consommation. Donc si l'enjeu c'est de cibler davantage l'orientation de la consommation, après, on peut avoir un regard critique, mais en soi, je ne suis pas choquée. Par contre, je pense qu'un enjeu et une question que je me pose, c'est par rapport aux algorithmes, puisque effectivement, à chaque fois que ces données, et au travers de l'interprétation, de l'analyse des données qui sont faites par Facebook et compagnie, on peut, par exemple, sur son fil d'actualité Facebook, en fonction de nos modes de consommation, en fonction des sites qu'on va visiter, en fonction des échanges, à un moment, je pense que le fil d'actualité vient orienter notre approche par rapport à ces données, et du coup, vient se poser la question de est-ce que, finalement, on ne vient pas enfermer nos réflexions en fonction de l'espace que le numérique peut prendre dans nos vies, est-ce que ces algorithmes, à un moment, ne viennent pas nous enfermer dans des modes de réflexion qui se ferment par rapport à nos modes de consommation? Et je pense que potentiellement, alors je ne sais pas si j'étais très claire dans tout ce que je viens de dire, mais je pense que ça peut être un enjeu qui renvoie à la liberté aussi des individus, parce que finalement, on n'est plus à orienter au niveau du mode de consommation, mais on commence à orienter peut-être à nous enfermer sur des réflexions et sur nos modes de réflexion. Donc, voilà. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je regarde Alexandre, parce que je pense qu'il a des choses à dire. J'en sais rien si j'ai des choses à dire, non, mais est-ce que ça enferme? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. À un moment donné, vous disiez, oui, pourquoi pas remonter des informations si ça aide les démarches des entreprises commerciales dans une société consumériste. N'oublions pas que c'est aussi remonter des données vers des acteurs publics pour les aider à prendre des bonnes décisions dans l'intérêt des usagers. Donc il y a le parallélisme de forme qu'il faut avoir. Donc la remontée des données n'est pas que dans le champ commercial. Est-ce que ça enferme? Je crois que c'est Jean-Paul qui l'a dit ce matin, le risque effectivement, ou je ne sais plus qui l'a dit, qu'on soit dans un monde prédictif complet, où on soit plus connu que soi-même. Moi, il y avait un petit truc que j'avais bien aimé, c'était redonner la donnée à l'usager qui produit la donnée. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand, à un moment donné, on relit Orwell, et puis on dit, oui, il y aura un Big Brother qui surveillera tout, et en fait, aujourd'hui, avec Facebook, on est tous des Big Brother. Et il y avait un petit édito de Daniel Kaplan, délégué général de la FING, qui avait à un moment dit, on aura gagné le jour où le citoyen sera au moins autant maître de ses données que ceux qui essaient de choper de données, qu'ils soient entreprises commerciales ou acteurs publics. Je pense que l'enjeu majeur, mais c'est l'enjeu qu'on esquissé sur la médiation, c'est redonner aux citoyens la maîtrise de ces données, de ces choix, et c'est pas évident, parce que très clairement, moi, quand Facebook me dit « nouveaux termes et conditions », bon, j'accepte. Voilà. J'ai pas le choix. Mais en fait, si. Tu le disais, hein, je pouvais prendre un autre système. La vraie difficulté qu'on va avoir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on se laisse aller par simplicité, parce que ça nous simplifie la vie, à lâcher nos données, à renoncer à toute une série de libertés, parce que c'est plus simple. Et on râle quand le train arrive en retard.
Et ben voilà, il va falloir qu'il y ait quelques trains qui arrivent en retard pour qu'à un moment donné, on invente un code de la route qu'on apprendra dès l'école primaire, dans la cour de l'école, comme on fait avec le vélo pour les futurs automobilistes, pour qu'à un moment donné, tout citoyen, avant l'âge du premier Facebook, cinquième, avant l'âge du premier portable, entré au collège, ait suffisamment de background, ait suffisamment de connaissances pour avoir les bons réflexes. Aujourd'hui, on en est très, 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 très loin. Là, je parlais du collège et on parle du législateur. Là, tout à l'heure, avec la CNIL, on parlait du législateur qui est sorti du collège depuis fort longtemps et qui, aujourd'hui, n'a peut-être pas complètement compris que ces enjeux qui sont parfois trop relégués aux contingences techniques sont effectivement, comme je le disais tout à l'heure, des enjeux hautement politiques. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse complète à votre interrogation sur l'enfermement, mais voilà, c'est l'impression que moi, ça me donnait à vous entendre. Nicolas. Oui, on le voit bien aujourd'hui, en fait, on est un peu à la traîne du secteur privé. Là, je parle pour le secteur public, c'est-à-dire sur les données. Et aujourd'hui, en fait, c'est des grands groupes, ou voire même localement, ça peut être certains secteurs, par exemple le secteur immobilier, etc., qui produisent de la donnée et diffusent les données. Et en même temps, nous, je pense que le rôle des collectivités, on a tout intérêt à ouvrir les données et pourquoi pas publier nous-mêmes, via des cartographies, les données, de manière à ce que, quelque part, on sécurise l'information qui est transmise aux citoyens. Je pense que ça relève aussi, ça doit devenir le rôle de la force publique. Et pour le coup, c'est l'open data. Je pense que c'est une question essentielle. À partir de là, ils pourront, on va dire, les citoyens pourront réutiliser la donnée. Donc quelque part, on va se faire déborder, j'ai presque envie de dire, sur la question de la donnée. Mais moi, je préfère que c'est un peu comme la démocratie. Moi, quelque part, ça me fait pas peur, dès lors que ça n'appartient pas à quelques groupes. Et pour le coup, c'est ça la force citoyenne. Finalement, c'est que c'est les citoyens qui se l'approprient. Et donc, c'est à nous aussi d'armer les citoyens, en leur donnant les données qu'ils pourront réutiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que finalement, le secteur public, il est en retard. On voit bien, on a mis du temps, ce soit avec la loi sur le numérique, finalement, qui intervient, mais il était temps, quoi. Donc, et je crois que tout le problème, finalement, il est là, quoi. Donc et je pense que nous, on a une grosse réflexion, et je reviens sur ce que je disais au départ, il faut voir ce qui relève du secteur public, ce qui relève du secteur privé. Et tant qu'on n'aura pas eu cette réflexion-là en global, et qu'on n'aura pas apporté les moyens, parce qu'à un moment, c'est aussi la question des moyens. Moi, je suis dans une collectivité, il y a 4000 habitants, quoi. Donc, il y a des collectivités, en plus, qui ont plusieurs dizaines de milliers d'habitants, je pense à Vannes, il y a des collectivités de plus de 100 000, mais je vois aussi, moi, des fois, autour de Caen, je parle avec des collectivités, il y a 400-500 habitants, donc, eux, les moyens, eux, la CNIL, ils se la posent même pas, vous leur parlez CNIL, c'est tout de suite, en fait, ils mettent un frein, en fait, parce que tout simplement, ils se disent, on va pas faire, parce que là, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop technique, quoi. Donc, je pense qu'il y a la question aussi de l'accompagnement, donc, que doit faire l'État, que doivent faire aussi d'autres collectivités, je pense les départements ou les régions, pour accompagner les collectivités à justement prendre toute leur place plutôt, excusez-moi, dans cet espace public, quoi. Oui, Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose à quel... Oh. Ah oui, c'est bon. Je ne sais pas faire marcher les choses numériques. En fait, je pense que, enfin, ce matin, on a beaucoup parlé de la question de la confiance, puis c'est le thème du débat. Donc, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut pas être influencé par l'algorithme de Facebook, on est libre de l'utiliser ou pas. Après, il y a sûrement aussi un rôle des collectivités à jouer dans le fait qu'on explique clairement à l'utilisateur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de valider quand il coche des conditions générales sur vos sites, ce à quoi il est en train de s'exposer, à qui il donne ses données et pourquoi. Nous, on a fait une étude en 2014 au niveau international
qui s'appelle Global Internet Report. On le fait tous les ans. En 2015, c'était plutôt axé sur le mobile. Mais en 2014, on a fait une étude, et l'étude, elle disait, alors je suis jamais fort pour me souvenir des chiffres, mais que globalement, le résultat de l'étude, c'était que les internautes étaient totalement démunis en termes de protection de leur vie privée. Et puis, si on cite tout à l'heure, on parlait de la case à cocher de Facebook. Donc, en gros, il y avait 24% des répondants qui disaient qu'ils les lisaient jamais, aucune condition générale. 7% qui disaient qu'ils les lisaient. Bon, donc au milieu, il y a ceux qui les lisent à moitié ou qui les ouvrent et qui les ferment. Et dans les 7% qui les lisent, il y avait 12% qui les comprennent. Et il y a un autre article d'un magazine qui a fait un calcul assez rapide et qui a calculé que sur les conditions générales que vous cochez pendant un an sur Internet, c'est-à-dire vous prenez une année d'un internaute, vous avez coché des choses tout le temps, il vous faudrait consacrer 76 jours de travail pour les lire et les comprendre. Et en fait, nous on est en train d'essayer de monter un chantier en disant il faut rendre ça compréhensible, parce que finalement le fait que ce soit pas compréhensible, ça protège même pas les éditeurs de sites qui sont derrière, parce que de toute façon juridiquement c'est difficilement opposable si c'est incompréhensible, si c'est bourré de liens, etc. Et du coup, il y a sûrement aussi un rôle à jouer là dans les initiatives de France Connect ou dans les portails que vous allez proposer, ou à un moment donné vous allez proposer de l'identité, c'est de dire ben nous les données on va en faire ça, ça et ça. Les conditions, c'est ça, ça et ça. Et je pense que si on arrive à avoir quelque chose de simple, peut-être même avec un peu de signalétique, je pense qu'on arrivera aussi à accompagner des choses qui sont finalement qui pourraient être exposées de manière claire et pas dans un langage juridique qui fasse que les personnes ne les comprennent pas. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une attention particulière qui soit donnée là-dessus. Alors le petit truc rigolo, c'est que ce matin, en venant dans le train, je m'ennuyais et je me suis demandé sur le site des impôts s'il y avait des conditions générales. Un truc tout bête. Donc je suis allé sur impots.gouv.fr. Donc vous pouvez cliquer. Donc il y a un lien mention légale. C'est assez simple. C'est quelques lignes. Et puis à la fin, il y a quelque chose qui dit les mesures pour le respect de votre vie privée. Enfin, je sais plus comment c'est écrit. C'est les données. Vous cliquez. Il y a une erreur 404. Et donc ça veut dire qu'on doit absolument se soucier, je pense, de ça, y compris quand on est un service public, et y compris quand on est un France Connect, et qu'à un moment donné, on crée son compte. On doit absolument être vraiment limpide sur ça. Alors, quelques réactions dans la salle. Je sais qu'il y a des tiers, alors Jean-Paul, il y a des tiers de confiance, ce qu'on appelle des tiers de confiance dans la salle. Il y en a quelques-uns à différents niveaux. J'aimerais bien aussi votre point de vue sur ce sujet. Alors, non pas de la lisibilité des mentions légales, mais jusqu'où on doit expliquer ce qu'on fait et qui est responsable de cette explication, de cette acculturation qui est le sujet essentiel qui a été latent toute la journée. Hein. Jean-Paul Leroy et éventuellement... Une réaction sur votre dernière intervention. Je pense que il faudrait veiller à ne pas mettre les instances publiques au même rang que les acteurs privés. On en parlait ce matin, nos logiques de plateforme doivent faire en sorte que on bénéficie d'une caution, d'une présomption de comportement de bon père de famille dans l'utilisation des données. Et donc moi, ça me choque pas qu'il n'y ait pas de conditions générales d'utilisation d'impôts.gouv et que quelque part, on puisse faire un cercle de confiance dans lequel on puisse aussi rentrer des acteurs privés pour faire en sorte que ces acteurs privés, en acceptant une sorte de charte qui devrait tenir dans une page ou quelque chose comme ça, et faire en sorte que ces acteurs privés y adhèrent et... n'aille pas plus loin que ce que fait traditionnellement une collectivité. On a contribué dans ce sens-là avec la CUF et la MGVF et la DCF sur le projet de loi de société numérique en introduisant cette notion pour faire en sorte que, en tant que
que fournisseurs de services sur Internet, les acteurs publics ne soient pas exposés aux mêmes obligations et aux mêmes formalités qu'un acteur privé. Personnellement, ça me semble important de manière à faciliter la confiance et le développement des services numériques publics. Madame. Oui, moi, Béatrice, je représente la société d'Imiotis, donc tiers de confiance européen en cybersécurité. Moi, je suis choquée qu'il y ait effectivement des sites internet du secteur public qui ne sont pas sécurisés, pas du tout, ou alors parfois qui le sont par des solutions qui sont ni françaises ni européennes. Donc il faut savoir qu'en France, il y a des acteurs très dynamiques dans ce domaine et qui ont des solutions parfois même beaucoup plus sécurisantes que des solutions autres que celles françaises et européennes. Donc je mettrai un point là-dessus, qu'effectivement, des solutions françaises, il faut aussi les mettre en avant. D'accord. Donc l'État, des partenaires privés, mais européens ou français en tout cas. Un avis là, j'ai quand même envie d'entendre la Poste, je suis désolée, je vous pousse peut-être, mais à votre liberté. Il y a plusieurs choses à dire. Au niveau de la Poste, la position de la Poste, elle est assez ferme sur la confidentialité des données. C'est un peu l'ADN de la Poste. Donc, on parlait tout à l'heure avec Olaf et moi ce matin de coffre-fort, de documents, d'échanges, de sécurisation des échanges de l'identité. Sur certains sujets, on va au-delà des recommandations de la CNIL. C'est notre ADN. À la fois parce que c'est de cette manière-là qu'on souhaite se différencier. On ne veut pas se positionner comme une concurrence frontale avec, par exemple, un Dropbox en disant « venez partager vos documents ici, c'est plus simple, c'est plus simple que chez Dropbox ». Mais parce que on pense que certaines choses, il y a une espèce d'hygiène, on a un rôle de pédagogie, on a des messages à faire passer et on se doit d'être exemplaire. Donc ça fait partie vraiment de la position de la Poste sur ces services de confiance numérique concernant le ça. Je reviens sur tout à l'heure le sujet de la CNIL, le devoir d'information. Nous, on pense qu'on doit, il est porté vers le fournisseur d'identité numérique, par exemple. On pense qu'effectivement le fournisseur de services a un devoir d'information, voilà. Mais au final, le risque, il est porté par l'émetteur d'identité numérique, par celui qui détient les identifiants, par celui qui permet d'identifier, d'authentifier l'utilisateur. Et donc, idem, on est en train de faire évoluer, de rendre encore plus lisible, parce qu'on va rentrer dans une échelle industrielle avec France Connect. Les mentions liées aux données de l'identité numérique. Voilà un petit peu comment on se positionne par rapport à ça. Oui, monsieur et Laurent. Oui, non, juste pour information, on a reçu l'ordre du jour de l'Open Lab France Connect qui a lieu la semaine prochaine, on l'a reçu hier soir, et il y a justement la définition des CGU dans l'ordre du jour. Donc, juste pour info. Par contre, je ne sais pas si le monsieur de France Connect est encore là, mais c'est dommage parce que, comme le mois dernier, l'Open Lab, il est en même temps que les réunions des interconnectés. Donc, encore une fois, on n'ira pas. Mais il y avait une grande réunion aussi à Paris avec la Gazette des communes sur le numérique aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui se passe dans ce milieu, ce sont des réunions, et des réunions, j'espère que vous jugerez celle-là aussi comme telle, mais sérieuses, où on va au fond des projets, où on se pose les questions, où on s'écoute. Et je crois que s'il y a tant de rencontres, c'est bien que il y a une conscience qui s'élargit de plus en plus à de plus en plus d'acteurs. Donc, tant mieux, tant pis. Oui, je voudrais revenir brièvement sur le sujet de la table ronde, c'est-à-dire la citoyenneté. Ce dont on vient de parler, c'est essentiellement des moyens défensifs de protéger, qui sont bien évidemment importants, il ne s'agit pas de les ignorer. Moi, je crois que la citoyenneté, elle se vit surtout dans l'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner des moyens aux citoyens d'agir dans cette vie virtuelle.
Et les problèmes des gens, c'est des problèmes concrets, c'est des problèmes de complexité de la vie quotidienne. Donc comment est-ce qu'on peut leur donner des applications qui vont leur permettre de simplifier la démultiplication des sources, des outils avec lesquels ils doivent faire toute la journée. Comment est-ce qu'on peut leur donner les outils pour enchaîner les différentes actions qu'ils doivent faire sur Internet, pour gagner du temps, pour être disponible le plus facilement possible. Cette citoyenneté, elle va se vivre dans les services au quotidien, dans un climat de confiance certes, mais dans un délivré des services. La sécurité, ça n'a jamais rien apporté à personne. Enfin, je veux dire, on le sait tous sur le plan individuel. Tant qu'on n'a pas eu un problème, on ne va pas s'assurer. La sécurité, ce n'est pas un truc qui se vend en soi. La confiance se construit, la confiance se vit, et elle se construit aussi par l'expérimentation. J'étais la semaine dernière à une conférence rapide sur les services avec les gens d'Airbnb. Les gens d'Airbnb vont vous dire notre savoir-faire à nous, c'est la technologie, mais si on pouvait se passer de la technologie, ce serait parfait. Nous, notre cœur de métier, c'est de mettre les gens en relation les uns avec les autres et qu'ils aient une expérience positive en allant les uns chez les autres. C'est là qu'est leur véritable valeur. Merci. Je veux juste illustrer, c'est anecdotique, mais on a eu l'occasion l'année dernière de mener un certain nombre d'études auprès d'utilisateurs pour un peu mesurer quel était le climat de confiance. On a d'ailleurs un baromètre de confiance à la Poste tous les ans. Et on n'a pas noté de qu'il y avait un manque de confiance qui bloquait les usages. Au contraire, on a mesuré que la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert avec les usages. Et d'ailleurs, on a fait un exercice assez intéressant, c'est qu'on a posé un certain nombre de questions à un panel d'internautes sur est-ce que vous partagez les photos en ligne, est-ce que vous publiez des choses sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vendez entre particuliers, ainsi de suite. Et puis on a, à la fin de toutes ces questions, on a dit est-ce que vous avez confiance ? Et on a eu un score. Et ensuite on a posé la question à un autre panel en disant est-ce que vous avez confiance sur Internet ? Et ensuite on leur a demandé qu'est-ce que vous pratiquez ? Donc on est retombé sur les mêmes usages, mais deux chiffres différents de confiance. Ça prouve bien qu'il y a une prise de conscience de confiance, qui se fait au travers des usages. Évidemment, ceux qui déclaraient spontanément faire des choses et après à qui on demandait est-ce que vous avez confiance étaient plus nombreux que ceux d'abord à qui on demandait spontanément est-ce que vous avez confiance ou pas. Donc la confiance s'acquiert avec les usages. Pour aller dans le sens de la confiance et de la montée en compétence des usagers, il y a un dispositif, j'ai entendu parler de Daniel Kaplan et de la FING, qui a été initié par la FING, qui s'appelle les Infolabs, qu'on retrouve notamment dans le réseau de la médiation numérique. Alors je ne sais pas si vous en avez par ici, dans la région encore Nord-Pas-de-Calais. Le principe, c'est que sur le même modèle que les espaces publics numériques qui, un temps, faisaient de l'atelier multimédia, de l'atelier Word, ou Open Office d'ailleurs, ou les Fab Labs autour de la fabrication, l'Infolab, c'est justement l'idée de permettre aux citoyens d'expérimenter et de tester leur rapport aux données avec des petits tests. On a par exemple le cas concret de la ville de Grenoble qui s'est appuyée sur l'Infolab. Donc concrètement, l'Infolab est porté par une SCOP qui est située à Grenoble sur les questions numériques et qui fait des ateliers citoyens en fin de journée, des horaires grand public, pour accompagner l'ouverture des données. Par exemple, la région, la métro grenobloise veut ouvrir les données de transport. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Et comment vous ? Quelles questions vous posez-vous en tant qu'usager sur l'usage qui pourrait être fait de vos données? Qu'est-ce qui est déjà possible actuellement quand on utilise un smartphone Samsung et qu'on tweet toute la journée depuis le tram? En fait, on se rend compte qu'on peut faire votre trajet à partir de la géolocalisation des tweets. Voilà, tout qui met en face les usagers de l'exploitation qui est faite aujourd'hui de leurs données et qui pourrait être faite demain, mais dans un cadre public, un cadre de confiance de l'action publique. Et je pense que c'est des dispositifs. Ça, c'est une action concrète que peuvent faire les collectivités, puisqu'elles peuvent soutenir les initiatives sur leur territoire, d'éducation à la donnée. Alors, ça signifie qu'il y a une visualisation des données en question. C'est-à-dire que pour qu'on puisse mettre les citoyens ensemble autour d'une donnée, encore faut-il que cette donnée soit accessible. Parce que la plupart des données brutes émanant du secteur public sont des données illisibles pour la Pékine moyenne que je suis, en tout cas. Tout à fait. Dans le cas présent, c'est bien, il y a une certaine partie des données qui avaient été mises à disposition de l'équipe de l'Infolab, qui sont pour le coup des gens, pas forcément des ingénieurs en informatique, mais qui ont une culture du numérique et qui sont capables de trier des données et de les mettre en visualisation, la data vise, comme on appelle ça aujourd'hui. Mais l'idée, c'est bien de quand même d'adopter des méthodes
d'animation qui permettent aux gens de se poser des questions. C'est-à-dire que concrètement, ils commencent pas par un PowerPoint ou par une projection d'un fichier Excel abscon, mais bien en faisant par exemple exprimer les gens sur des post-it sur quelles sont leurs grandes craintes sur les données. Donc c'est on est l'outil finalement numérique, on en revient, l'outil numérique est un prétexte, et c'est bien la méthode d'animation qui va être mise en place qui va permettre aux gens de se poser la question de leur rapport aux données et de ce qui peut être fait ou pas demain. C'est la question de la création d'une société responsable. Monsieur, merci de vous représenter. Oui, bonjour, je suis Yann Thoreau-Lassalle, directeur de projet à la ville de Lille. Je ne sais pas si on m'entend bien, j'ai l'impression qu'il y a un écho, si. Alors, je suis aussi assez peu coutumier hein, de ces questions-là. Donc, excusez-moi si ma question tombe à côté des préoccupations. Mais cela dit, malgré tout, on sent qu'il y a une question directe qui est liée aux données produites pour l'administration et à la confidentialité de ces données, qu'il y a la question de l'exploitation et de la traçabilité des données qu'on produit malgré nous. Et quel lien est-ce que vous faites avec les données qu'on pourrait être amené à produire pour exprimer une intention, soit dans le cadre de la démocratie participative, soit dans le cadre de la démocratie représentative et éventuellement de perspectives de vote en ligne? Je veux tenter d'aborder cette question qui me semble tout à fait dans le sujet, si je peux me permettre, puisqu'on sait que la démocratie est en question, puisqu'on parle de citoyenneté, et qu'elle est en question d'abord dans la responsabilité citoyenne, dans la connaissance qu'on doit apporter dans les esprits, que les esprits doivent s'éveiller à ces sujets, et également que dans la relation au développement du territoire, et notamment au développement des territoires numériques, on a cet enjeu-là, donc de participation des habitants, à la fois participation qui est transformée par le support numérique et par le monde numérique, et en même temps qui est un sujet en soi, c'est-à-dire que c'est vraiment l'Internet, sujet, objet, etc. Alors, on a un spécialiste de la démocratie du numérique à cette table. Je te vois me regarder du coin de l'œil depuis tout à l'heure. C'est pas moi qui ai posé la question, c'est monsieur. Alors, je suis pas sûr d'avoir forcément tous les éléments en tête pour répondre à votre question et ses différentes dimensions. Mais Florence l'a bien dit, il y a deux sujets. Il y a la question de débattre du numérique et le numérique pour le débat. C'est deux choses très très différentes et on peut très bien débattre comme nous le faisons sans outils technologiques. Là, je suis handicapé de la voix, donc j'ai un micro, mais on pourrait très bien se passer de cette technologie et pour parler de numérique. Sur l'autre volet, éventuellement, je peux peut-être dire deux, trois mots. Je pense qu'aujourd'hui, tu as prononcé le mot transformation, elle est profonde. Aujourd'hui, effectivement, il y a une intentionnalité citoyenne de s'exprimer qui peut, grâce à porte-voix qu'est Internet, trouver un écho nouveau. Moi, j'avais tendance à dire à mes étudiants que la télévision et le mot broadcasting, diffusion large britannique, était très gaulien, avec ses bras en V tournés vers la foule. Aujourd'hui, c'est la nature réticulaire d'Internet qui semble être le vecteur d'hybridation le plus fertile, et c'est l'horizontalité. Quand avant on posait la question de la démocratie, bon ben voilà, vous connaissez la démocratie représentative, aujourd'hui on en sent parfois les limites, on veut créer des horizontalités, elles se font d'ailleurs indépendamment, il y a des débats parfois beaucoup plus enrichissants en dehors de tout ce qui est institutionnel sur parfois les réseaux sociaux ou d'autres structures, tout comme la vie associative se fait en dehors. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui effectivement une opportunité pour les acteurs publics que nous sommes à se saisir de ces outils numériques pour engager des relations différentes, pas simplement jouer sur l'heure des réunions publiques qui sont très limitantes. Hein. On me reprochait souvent, on me dit « Ah, monsieur Desrousseaux, vous promouvez l'usage d'Internet pour la démocratie, mais c'est réservé à une élite qui a accès à Internet. » Je répondais, c'était élu, c'était un maire. « Ah, ben vous faites des réunions de 17h à 18h ou de 18h à 19h à l'autre bout de la ville, vous excluez ceux qui sont en poste, ceux qui reviennent à 20h chez eux, ceux qui, famille monoparentale, sont en train de faire les devoirs, les bains des enfants. » Donc un partout la balle au centre. C'est pas simplement ouvrir des publics différents, je pense que c'est la nature même de l'interaction démocratique qui est en train de changer. C'était Melvin Kranzberg, je crois que c'est Melvin Kranzberg qui disait, par rapport à Huffpool et l'influence de la société sur la technologie et vice-versa, il disait que les technologies ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres.
Je pense que beaucoup de choses sont dites là-dedans. Il y a ni bon ni mauvais, c'est l'intentionnalité d'usage de la technologie, de ces données, le détournement qu'on peut en faire. Un pic à glace peut permettre de broyer la glace pour mon cocktail du vendredi soir ou permettre à une femme de tuer son amant, hein, CF les films. Ça, c'est l'intentionnalité qui est cachée derrière. Le côté ni neutre, c'est vraiment très très puissant. Moi je le dis, je le répète, je crois beaucoup à la vertu transformatrice du numérique par sa nature réticulaire. Et je pense que la nature même de la démocratie va être en train de changer parce que ça sort par tous les côtés. Les gens se parlent beaucoup plus vite et plus efficacement et co-construisent. Et je pense que ça, c'est un élément qui est peut-être qui n'a pas forcément été beaucoup abordé aujourd'hui, mais qui est aussi au cœur du sujet, c'est de se dire que l'exercice de la citoyenneté passe aussi par le numérique et changer la nature. Ça va nous ramener aussi à la question de l'identifiant, parce que on me racontait, c'était, alors je peux en parler, je crois que Vinel Das était encore là. Il y a quelques années, on me disait, oui, mais moi, je suis agent de la commune de Villeneuve-d'Ascq. Je n'irai pas sur le forum d'expression citoyenne parce qu'il faut que je déclare mon nom, mon prénom. Je suis agent. Éthiquement, déontologiquement, j'ai une vie de quartier, mais on va dire que je suis taxé de... Voilà. Et cette question de l'identifiant des personnes dans le champ de l'exercice de nos démocraties, ben, elle va se poser là aussi. Et j'en plaisantais avec Jean-Pierre Triquet, qui s'occupe du numérique à Dunkerque, il disait, on a le carnaval. Et le carnaval, c'est l'art de mentir, de se travestir, et je pense que c'est essentiel qu'on puisse se travestir derrière un identifiant qu'on pourra ouvrir hein, quand il y a débordement par rapport à la loi. Mais c'est bien de pouvoir s'appeler de temps en temps DD59, en femme, avec une grande ombrelle rose, pour s'exprimer sur des sujets légers ou sérieux. Et donc ça doit aussi permettre ça, le numérique, c'est de ne pas simplement être enfermant. Je dois m'appeler alexandre.desrousseaux@nordpas-de-calais.fr, ça je l'ai placé, mais j'ai le droit de m'appeler aussi Lulu22, même si je ne suis pas du Calvados. Alors, je voudrais peut-être compléter, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, je travaille aussi un petit peu sur ces sujets de la démocratie et du numérique, pour rappeler qu'il y a un certain nombre de plateformes qui aujourd'hui existent et qui sont elles-mêmes limitées par le fait que la question de la gestion de l'identité n'est pas réalisée. Je voudrais prendre pour exemple Parlement et Citoyen, dont on parlait tout à l'heure, qui est une plateforme dont Claudie parlait tout à l'heure, qui est une plateforme d'élaboration de la loi. Je voudrais parler de la plateforme Parlement et Citoyen version professionnelle qui a été déployée pour la concertation sur la loi, sur le numérique, on peut parler qui ont le même problème que d'autres applications du point de vue de l'identité. Par exemple, quand on a un système comme Questionnez vos élus, qui marche assez bien, où on relaie via des applis, on peut questionner directement ses élus, même si on ne sait pas comment ils s'appellent, qui ils sont, parce que souvent on ne connaît pas ses élus, mais on adresse les compétences de l'élu. On a des plateformes comme Carticipe, une cartographie où on peut se géolocaliser et dire ici, là, j'ai tel problème qui est un problème qui est lié à l'espace public et je m'exprime à propos de ce problème, y compris en termes d'urbanisme, de transport, etc. On a également tous les systèmes de requêtes qui sont donc là, qui touchent plus la relation non plus aux élus mais à l'administration, qui sont peut-être une partie qui est moins celle de la démocratie participative, plus celle de la vie citoyenne, mais qui est de dire l'ampoule ne marche pas à tel endroit, il y a un trou dans la chaussée à tel autre. Eh bien, toutes ces plateformes aujourd'hui ont un problème, c'est que on est qui on veut. Éventuellement, on peut nous trouver facilement si on ne veut pas être trouvé. Donc, on a des problèmes d'anonymat, de pseudonymat ou de déclaratif organisé, notamment quand on accompagne la loi. Jusqu'à maintenant, la création de la loi se faisait par des citoyens responsables et visibles. Hein. Qu'est-ce qu'il en est de ma capacité à rester invisible, avoir le droit d'être invisible sur la question de l'identité? C'est aussi un sujet, et je crois que toutes ces plateformes se posent la question, notamment sur la loi sur le numérique. On sait qu'il y a eu énormément de participation, on sait aussi qu'il y a des lobbies qui ont fait participer probablement des robots pour aller voter sur j'apprécie, j'apprécie pas, hein, puisqu'il y avait cette option-là aussi. Probablement, j'espère, pas pour mettre des propositions, mais on a aussi ce problème-là sur ces plateformes qui
qui pourraient trouver leur solution au travers d'un dispositif comme France Connect, par exemple, puisqu'on régulerait la participation. Sachant que derrière, vous voyez qu'on embraye, j'embraye avec plaisir sur votre question, monsieur, mais c'est vrai que derrière, on a la question du vote. Si on ne prend pas en considération la dimension transformation de la démocratie qui est possible avec ces outils, même si on ne l'apprend pas et si on reste sur la démocratie représentative, aujourd'hui, on peut imaginer que grâce à des dispositifs comme France Connect, on soit sur une capacité de faire, il y a des personnes et des groupes qui en débattent, de faire du vote à distance, du vote politique à distance, puisqu'enfin, la question de la sécurisation du vote individuel par l'espace dans lequel on vote, donc on est anonyme, enfin on n'est pas dérangé dans son vote, qui était le grand frein quand on a travaillé avec les juristes au niveau de l'État sur ces questions du vote électronique, et le vote à distance avait été arrêté parce que simplement les femmes, c'était notamment elles qui étaient en question, étaient souvent suiveuses dans leur vote de leur mari. Or, quand elles sont dans l'isoloir, elles font ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, on peut imaginer que face à leur ordinateur ou à leur téléphone portable, grâce à une identité protégée, elles puissent à nouveau, là aussi, faire ce qu'elles veulent. Donc, on est dans une évolution. Non mais ça te fait rire, allez, je t'en prie. Non, Jean-Paul n'est pas du tout d'accord. Non, c'est pas, je ne suis pas du tout d'accord. Débat, mais... Excusez-moi, juste pour finir, c'était un des grands débats du Forum des droits de l'Internet auquel j'ai participé pendant plusieurs années sur la question du vote électronique, et c'était Isabelle Falque-Pierrotin qui les dirigeait, l'actuelle présidente de la CNIL. Enfin, je pense qu'effectivement il y a débat, mais le propre de l'isoloir, c'est d'être sûr qu'il n'y a qu'une personne qui met le bulletin. Et quand bien même une personne aurait une identité numérique sur son téléphone portable ou sur une tablette, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui lui met quelque chose sur la tempe en lui disant, ou qui lui tord le bras en lui disant « tu vas voter comme ça ». Jean-Paul, il n'y avait pas de piège, mais si on considère qu'il y en avait un, tu remets en question le principe de France Connect. Parce que c'est valable pour tout acte administratif par ailleurs. Oui. Mais après, c'est une question de portée. T'as bien eu. Est-ce que Laurent ou les spécialistes, là, vous en dites quoi? Est-ce que la personne est vraiment derrière son identifiant avec France Connect? Je pense que Guillaume aurait mieux répondu que moi. Théoriquement, la plateforme de l'État et France Connect, au-delà de définir un schéma d'identification, permet également de mettre en face des niveaux d'authentification adaptés au niveau d'assurance qui doit être fourni pour le service qui est proposé en ligne. Donc ça va aller de l'authentification faible à de l'authentification forte ou substantielle, et ça sera défini par le fournisseur de service. Voilà, donc normalement, il y a moyen de renforcer l'authentification. Ensuite, il y a toujours une limite, évidemment. Pour aller dans le sens des collègues qui intervenaient tout à l'heure sur les sujets de sécurité, une des caractéristiques de la bonne sécurité, c'est qu'elle soit proportionnée. Et donc, il faut un ensemble de process et de technologies qui soient proportionnées à l'impact de l'acte. Sur un sujet administratif, effectivement, on peut déclarer ses impôts sous la contrainte. Ça a moins d'impact que de voter sous la contrainte. C'est déjà le cas, c'est ça? Mais c'est déjà le cas. Je voulais juste dire une chose, c'est étonnant comme quand on remet de l'humain dans le système, d'un coup d'un seul, la machine bug. Oui, effectivement, ta réponse est la bonne. Parce qu'effectivement, on pourra toujours avoir, à un moment donné, quelqu'un qui tordra le bras, quelqu'un qui menacera. Voilà, l'intentionnalité peut toujours être contournée. Ne nous leurrons pas, les systèmes ne nous protégeront jamais complètement. Et c'est très bien. C'est pour ça que, sinon, c'est Orwell.
Je pense que ce qui est très bien, c'est qu'on accompagne à la fois les systèmes de sécurité, c'est vous qui le disiez, de l'accompagnement, enfin de les aspects humains. Moi, je me souviens, c'était un prépa concours, enfin un examen blanc. On demande à un informaticien, voilà, vous avez un collègue qui arrive avec des virus tous les matins sur une clé USB, que faites-vous? Je soude le port USB. Bon, ok, il y a peut-être de l'humain à remettre là-dedans. Et c'est ça qui est aujourd'hui intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les technologies, vous nous l'avez démontré, sont là. Il y a peut-être du côté de l'humain à mettre l'humain et les décideurs publics, on en parlait tout à l'heure, au niveau des technologies et de ce qu'elles peuvent faire. Alors, nous avons encore un petit quart d'heure avant de conclure. Alors, on peut évidemment avancer la conclusion, mais voilà, je voudrais que les sujets qui n'ont pas été abordés ou les personnes qui veulent s'exprimer, même sur des choses séparées les unes des autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, François Dubrul, donc je suis le correspondant informatique et libertaire. Voilà, c'est bon. Même cause, même effet. Donc je reviens. Donc François Dubrul, je suis le correspondant informatique et liberté de la MEL. J'ai pas pu venir ce matin pour des raisons professionnelles et je m'en excuse. Je voulais simplement faire deux remarques. La première, exprimer une expérience en tant que secrétaire de mairie de quartier sur l'autonomie des personnes. Je peux vous assurer que j'ai déjà vécu madame qui arrive faire une démarche administrative avec monsieur qui est à même pas quelques centimètres, voire même éventuellement un individu, négocier une aide sociale avec un fusil à canon scié caché sous son imper. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas opposer les démarches dans le réel et les démarches dans l'espace numérique. La question, c'est tout simplement à la fois l'identification des personnes et leur autonomie réelle supposée. Et ne parlons pas de ceux aussi qui, intérieurement ou mentalement, n'ont peut-être pas toute leur capacité ou toute leur qualité intellectuelle. Ça, c'est sur le premier point. Le deuxième point, je pense que l'identification et la confiance, ça suppose aussi la transparence. Et je me permettrai simplement de terminer mon intervention sur l'allusion au mode de régulation qu'il y a sur Wikipédia, où vous avez à la fois des identifications et les personnes qui ne sont pas celles qu'on pense être ou qui ont des orientations ou des informations orientées. Il y a une régulation qui est faite collectivement. Et je me permettrai de faire une pensée émue pour mon fils, qui est tout de même un contributeur expérimenté de Wikipédia. Et quand il m'explique ça, je regarde avec des yeux épaillis. Mais je me dis que d'une certaine manière, dans le monde numérique, la démocratie participative, elle existe, et notamment vive Wikipédia. Merci. Merci beaucoup. Autre remarque, autre sujet qu'on n'aurait pas abordé, qui vous semble lié, une question qu'on ne s'est pas posée, personne n'a parlé, ou très peu, peut-être Guillaume Blot ce matin, légèrement d'accessibilité, par exemple. Est-ce que tous ces systèmes d'identification, d'authentification vont être accessibles pour toutes les populations, y compris les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'on est dans une relation où les élus doivent pouvoir prendre le relais en toute confiance pleinement, ou comment doit s'opérer le contrôle citoyen s'il s'opère? Est-ce que ça nécessite de nouvelles instances? Quel impact cette question de l'identité pourrait avoir, y compris sur la question de la relation au territoire? Aujourd'hui, est-ce que l'individu doit être considéré comme relié, voire lié à son lieu de domicile, ou est-ce qu'il est plutôt relié ou lié à son lieu de travail? J'évoque là au passage les cartes qui pose cette question-là, puisque quand on a une carte, elle est de tel territoire, et si on passe dans l'autre territoire, on n'a pas les mêmes services, sauf si on élargit le territoire. Donc ça pose derrière la question de savoir si il devrait y avoir une... Personne n'a osé prononcer l'expression de carte d'identité électronique, d'identité électronique, ce qui était le débat, excusez-moi, de là je me permets de dire qu'il y a 10 ans c'était ça le sujet quand on parlait d'identité. Or, la France a totalement évacué cette question-là. Voilà, je pense qu'il y a ces sujets-là et d'autres qu'on n'a pas évoqués. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, que vous voudriez au moins marquer en posant une question, j'ai envie de dire en l'air, à laquelle on n'a pas probablement la réponse? Est-ce qu'il y a encore des sujets qu'on devrait explorer?
Alors un petit temps de conclusion. Sur la carte, sur la carte de transport, la problématique, il y avait une norme Calypso qui devait être diffusée au niveau national, permettant d'utiliser son support, quel que soit le. Le projet actuel Triangle 2, mais à la base, le protocole Calypso devait permettre de porter un titre de transport sur un support et d'utiliser ce titre de transport, quel que soit le réseau où on allait. En fait, c'était une utopie, puisque chaque AOT a défini son propre masque de sécurité, ce qui fait que le système, même si la norme elle est nationale, le système de sécurité est surtout local. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus connecté, et en fait, l'élément de sécurité n'est plus obligatoirement porté par le support, ce qui fait que demain, j'utilise ma carte bancaire pour prendre le bus à Amiens, j'arrive à Lille, j'utilise ma carte bancaire pour consommer de façon anonyme, sans avoir à être déclaré ou enrôlé, de consommer du service public sans être obligé de déclarer une identité. Donc aujourd'hui, on parle d'identité, mais aussi la base, c'est qu'on a le droit aussi de consommer du service public sans avoir à déclarer son identité. Quel que soit, on a un moyen de paiement sur soi, j'ai le droit d'être en capacité d'utiliser ce service public sans avoir à déclarer mon identité. Très bien, donc merci. Peut-être une phrase sur ou un mot sur... Okay. Voilà, si on devait rester vigilant, quel serait le point de vigilance sur lequel chacun d'entre vous voudrait... Quel est le point de vigilance que chacun d'entre vous veut rappeler en ce temps de clôture de la journée ? Maurice. Alors, tout à l'heure, on parlait de Facebook et d'autres. Je pense qu'il ne faut pas oublier dans la liste les éditeurs de logiciels métiers qui, effectivement, récoltent tout un tas de données. D'autant plus qu'on va de plus en plus vers le mode SaaS. Est-ce que dans vos marchés, vous mettez des clauses de confidentialité, des clauses de réversibilité, des clauses de non-réutilisation des données, etc., etc. Ça, c'est à mon avis un point de vigilance qu'il faut avoir pour l'avenir, parce que le développement du mode SaaS va faire qu'il y a de plus en plus de chances que les données, que vous soyez dépossédé de vos données, en fait. Même si vous en êtes toujours propriétaire et responsable. Ça veut dire que vous êtes responsable du traitement, alors que vous ne savez pas ce qu'il y a dans les bases de données, vous ne savez pas quels sont les traitements qui sont faits, mais vous en êtes responsable quand même. Difficile. Bateau, je vais revenir sur... N'oublions pas de donner aux hommes la capacité d'être maîtres de leur identité, qu'elle soit numérique ou pas, et y compris leur droit de se travestir. Produire de la donnée, et je dirais aussi ne pas se mettre trop de freins, et notamment je vois quand on dématérialise des services, finalement on aurait tendance des fois à avoir des problèmes qu'on ne s'est pas posé sur les services qui sont en place avant d'être dématérialisés. C'est la réflexion sur le vote électronique tout à l'heure. Alors moi, ce serait de penser à l'utilisateur d'abord, et aussi à la fin de notre relation avec l'utilisateur, c'est-à-dire à un moment donné, s'il doit quitter le service parce qu'il en a envie, qu'il puisse le faire, qu'on puisse lui restituer ses données. Et d'ailleurs, je vais juste un mot sur la loi Le Maire sur le numérique, qui a introduit des choses très intéressantes dans le sujet sur la portabilité des data et la portabilité des contenus des boîtes mail. Et c'est quand même ça. J'espère que ça va aller jusqu'au bout, ça va être voté au Parlement, parce que demain vous allez pouvoir changer de fournisseur de service et demander à votre nouveau fournisseur de transférer le contenu de votre boîte mail au nouveau fournisseur, voir le contenu de votre Dropbox, voir le contenu de votre XXXbox. Du coup, c'est le fait de. On parlait tout à l'heure que l'utilisateur doit être vraiment propriétaire de ses données, on doit pouvoir lui rendre. Ben oui, c'est pouvoir lui restituer à un moment donné s'il le souhaite. Oui. Pour ma part, ce serait d'être vigilant à ne pas sacrifier l'éducation
et le pouvoir d'agir des citoyens à l'aune de la simplicité. On a beaucoup dit qu'il fallait simplifier la vie des gens. C'est sûr qu'aujourd'hui, Google et Facebook, c'est beaucoup plus facile que tout le reste. Il ne faudrait quand même pas qu'on sacrifie tout à l'aune de la simplicité. Très bien. Vous me permettrez de rappeler une petite phrase, une petite vigilance à mon tour. On a lancé un appel via Internet qui a été déjà signé par un peu plus de 80 élus sur reconnaître l'accès à Internet comme un droit fondamental. C'est une reconnaissance qui a été faite par l'ONU, qui n'est pas faite aujourd'hui au terme de la loi. Elle le sera peut-être à l'occasion de la loi sur le numérique également. Pour que le service essentiel de l'information soit maintenu dans tous les foyers, même en situation de difficulté financière, y compris quand comme l'est aujourd'hui l'électricité et l'eau. On a compris qu'il y avait des services incontournables aujourd'hui qui doivent être rendus, donc l'accès reste un enjeu fort. Je crois que la parole est maintenant à Kim Oural. Donc messieurs, si vous voulez bien. Oui, je dis messieurs, tiens, pour une fois, je ne suis pas arrivée à faire une plateforme avec suffisamment de femmes, hein, c'est dommage, mais elles sont dans la salle nombreuses, donc ça compense. Voilà, donc je vais laisser la conclusion de cette journée à Kim Oural. Je voudrais en profiter pour remercier nos partenaires, le groupe La Poste, Advance, que vous avez entendu, également les partenaires historiques et annuels de Ville Internet, comme la Mutuelle Nationale Territoriale. La question des agents a été abordée, et bien sûr les ministères qui nous soutiennent, je ne les citerai pas, ils sont sur les plaquettes et dans les différents documents. Donc pour ma part, merci à ces partenaires qui permettent l'existence, et à la MEL, et à Hakim qui nous a accueillis avec beaucoup d'énergie dans la préparation également de ces débats, et je lui laisse la conclusion. Merci à toi Florence, merci à vous pour la richesse, c'était extrêmement précis, extrêmement recherché et avec une réflexion qu'on voit bien, vous essayez d'appliquer dans la vie quotidienne. Évidemment, je vais remercier aussi, c'est le moment, la fin de la journée, remercier Sarah, Anne-Céline, Emma, Dominique, pour le fait d'avoir travaillé à cette journée, bien évidemment, en plus de Florence, hein, qui est quand même celle qui nous a sollicité et qui nous a fait le plaisir et l'honneur de vouloir être accueillie à Lille. Et donc, c'est un vrai plaisir pour nous de l'avoir fait, d'autant plus que, je l'espère, au prochain conseil de la métropole, nous serons officiellement adhérents de Ville Internet. Donc, si tout va bien, mes collègues élus valident ça, donc nous pourrons continuer ce travail, mais là, comme force vive au sein de l'association, en tant que métropole, et ainsi laisser les 85 communes participer aussi de manière assez libre à vos travaux qui sont, comme je le disais, assez riches. Peut-être vous dire que, en conclusion, en quelques mots, je vous rassure, avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié, je dis avec Claudie, qui n'a pas voulu monter, sa timidité traditionnelle l'honore souvent, mais là j'aurais aimé qu'il soit avec moi, mais en tout cas il est près de nous, avec lequel on a beaucoup travaillé en France pour faire que le numérique soit une réalité sur les territoires, avec différentes associations, les tiers de confiance. C'est pas gagné encore, hein. On a deux lois sur le feu, une troisième avec Clotilde Walter qui doit évoquer la question d'utilisation des données de l'action publique pour faire de la valeur. Enfin, voilà. Donc c'est un peu compliqué aussi pour que tout le monde s'y retrouve. En tout cas, le rôle, à notre avis, pour des collectivités, vous l'avez très bien dit d'une certaine manière, ça transcendait un peu vos sujets, c'est que notre enjeu dans la troisième révolution numérique, après les deux premières qui nous ont un peu bouleversés dans nos quotidiens, dans notre mode de faire, c'est quand même de passer à la version ubiquitaire des services et des usages qui vont faire qu'au fond, après la virtualisation, on repassera au physique, et c'est le rôle des collectivités de travailler sur les aménagements, travailler sur le mobilier urbain intelligent, travailler sur un certain nombre de sujets qui fassent que le numérique soit plus effectivement seulement accessible sur des tablettes ou des smartphones ou même par une carte. C'est que on interagira sur notre environnement au travers de services qu'on sollicitera. Ça, c'est extrêmement important. C'est notre boulot de faire le lien entre ces plateformes, entre ces services nouveaux qui vont nous permettre vraiment d'améliorer la vie quotidienne. Je vais terminer, évidemment, en vous disant que dans ces lois numériques, on attend beaucoup de ça. Florence, on l'a évoqué beaucoup. Ces lois reprennent d'ailleurs un certain nombre de préconisations qui ont été dans mon rapport et le tien, mon cher Claudie, avec des sujets qui sont forts, hein, la question de la neutralité du net, qui est un sujet
On a beaucoup traité d'ailleurs au sein du Conseil national du numérique. La question aussi de la loyauté des plateformes, vous l'avez un peu évoqué, pour le fait que l'Internet ne soit pas un piège, mais au contraire un espace d'expression, d'émancipation. Même si on y va pour consommer, il faut aussi être respecté en ce sens. La question de la protection de la vie privée, évidemment, vous l'avez évoqué. Et un sujet important, c'est le maintien du service numérique qui va être dans la loi Le Maire, c'est-à-dire que pour des personnes qui ne peuvent plus payer un abonnement, aujourd'hui, avoir accès à Internet est un droit fondamental. Et donc si la loi passe, ce sera un vrai changement et une vraie approche, j'imagine, intelligente de la loi sur ce sujet. La loi Macron 2, dite Noé, vous la connaissez, hein, nouvelles opportunités économiques, qui intègre la question des métiers et de la formation. Je pense que c'est vraiment un vrai sujet. Le fait qu'aujourd'hui, sur des métiers numériques, on ne soit pas obligatoirement à Bac plus 5, mais qu'on puisse considérer qu'on puisse avoir accès aux métiers du numérique à des niveaux très bas, mais que ce soit avec la grande bienveillance de notre organisation législative. Et ça, ce n'est pas fait aujourd'hui. La France a un problème, elle met les gens dans les cases, et que parfois, c'est difficile d'en sortir. Et donc, je pense que c'est très important aussi qu'on laisse la chance à tous, grâce au numérique. Et c'est là où on voit la vertu de ce nouveau média qui a envahi toute notre vie, toute l'organisation sociétale que nous aimons en France. Voilà, j'en dirai pas plus. Je veux dire vraiment que c'est important, ce débat. Je pense qu'il faut que ce rendez-vous qu'on a eu aujourd'hui puisse se réitérer dans les mois ou en tout cas les années à venir. En tout cas, vous êtes les bienvenus à Lille. Dans la métropole, c'est une métropole transfrontalière, donc on l'a évoqué avec nos amis belges tout à l'heure, ils nous ont fait plaisir de témoigner. En plus, nous avons une eurométropole ici, on a un lien naturel transfrontalier depuis de nombreuses années grâce à Pierre Monroy. Donc voilà, donc je vous souhaite vraiment de bien continuer, on continuera à collaborer évidemment en tant qu'adhérent de Ville Internet, mais un peu plus aussi ensemble sur ces sujets numériques. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous invite, on me l'a demandé, de ne pas l'oublier, en remerciant aussi Jean-Paul Leroy, parce que c'est l'homme de l'ombre, voilà, mais Jean-Paul a beaucoup œuvré aussi. Et donc c'est lui qui m'a dit de ne pas oublier, de vous inviter à partager le verre de l'amitié qui se trouve, par contre ça je l'ai oublié, voilà, dans la salle du patio. Voilà, en tout cas, bonne fin d'après-midi. Merci Hakim, merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles et toute cette énergie. Je voudrais effectivement dire que ça continue puisque le cycle des assises territoriales de l'identité numérique qui a été lancé à Vannes, qui est entraîné par la métropole de Lille aujourd'hui, va continuer avec un rendez-vous donc le 6 mars à Fleury-sur-Orne dans l'agglomération de Caen-la-Mer avec le soutien de la du département en tout cas aujourd'hui annoncé et puis également à Beauvais le 26 mai. Donc on revient dans la grande région. Et donc vous serez bien sûr tous conviés à Beauvais également où la sénatrice maire nous accueillera et probablement avec la dynamique de son association Ville de France qu'elle préside qui est l'association des maires des villes moyennes très concernée évidemment par ces sujets. Voilà, merci beaucoup, bravo à vous, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, je suis ravie. Allez, on va boire un verre. Allez, hop là.